Da 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 da, da 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 da, da 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 da, your skirt on your body, performing just like my Marari. You're too fine, need a ticket. I bet you taste expensive. Burn up 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 by the litter. If you're keeping up, you're a keeper. Tequila and vodka, girl, you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. If you can see it in my eyes that I wanna take you down right now if I could. So I hope you know I

just us doing this party that Louis, that Prada looks so much better off. Yeah, turn me up, 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 be my waitress. No, we not in love, so let's make it tequila and vodka. Cause you might be a problem. Run away, run away, run away, run away. I know that I should. But my heart wanna stay, wanna stay, wanna stay, wanna stay now. You can see it in my eyes that I wanna take you down right now if I can. So I hope you know what i mean when I say Let me take you dancing. Just step to the bedroom. We don't need no dance floor. Let me see your best move. Anything could happen ever since I met you. No need to imagine. Baby, all I'm asking is let me take your dancing Yeah. Bonjour tout le monde, comment allez-vous J'espère que vous allez bien, bienvenue sur le stream. Comment ça va Salut Elisa, bienvenue dans le chat. Coucou Flair. Salut Ange Pétunia, coucou Joe. Salut Elodie, coucou Delph, coucou Feu. Salut Alexia, salut June, coucou Val, bienvenue dans le chat. Coucou KG. Salut Keprinette, comment ça va Coucou Maëlys, Salut euh, Lang, comment ça va Coucou Maë aussi. Je vais très bien, merci beaucoup. Salut Koro, coucou Swan, coucou Camille. J'espère que vous avez passé une bonne journée, j'espère que tout va bien pour vous, euh, me concernant écoutez je vais bien mais je vous avoue que je suis KO aujourd'hui, euh, je suis en mode euh, je baille euh, je suis molle comme ça <laughs> je sais pas ce que j'ai aujourd'hui vraiment j'ai pas fait en, en soi grand chose de physique mais euh, j'ai beaucoup travaillé euh, toute la journée j'ai eu des rendez-vous et tout et euh, c'est ce qui fait que là vous savez que si je ne streamais pas je serais en train de dormir et de faire la sieste dans le plus grand des calmes je pense euh, je vais très très bien, Caline va bien aussi, euh, salut Marlène comment ça va j'adore cette vague de bonjour bah, j'essaye de dire bonjour ouais euh, un petit peu à tout le monde euh, dès que je vois euh, les pseudos parce que c'est la moindre des choses on est poli on dit bonjour quand même euh, Nat va te réveiller, c'est ce que je me dis en vrai. <laughs> Salut Kimberley, ça va très bien et toi Du coup, euh, ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors le programme d'aujourd'hui il est un peu particulier. Euh, normalement à la base le live du jour c'est du The Last of Us. Sauf que hier on était trop en suspense par rapport à l'épisode d'amour sucré, tout ça. Et euh, d'ailleurs vous avez toujours la rediffusion qui est disponible sur Twitch. Pour ce qui est des rediffusions sur la chaîne de VOD, ça prend du temps parce que j'ai un problème, c'est ce que je vous expliquais hier avec une rediff qui Passe pas euh, celle du ce bâton qui fait 38 heures. Euh, J'ai pas eu le temps encore d'essayer parce que j'étais sur autre chose aujourd'hui pour voir avec d'autres logiciels, etc. Euh, donc euh, je verrai ça la semaine prochaine euh, mais voilà, donc vous avez le récap qui est à dispo et du coup on avait dit qu'on allait continuer euh, et commencer même l'épisode 34 aujourd'hui parce qu'on était grave en suspense, qu'on avait vraiment envie de continuer qu'on était à fond dans le truc et donc probablement plus tard on fera soit du The Last of Us soit probablement du Labyrinthine qui est un jeu d'horreur que j'ai déjà streamé en coop avec euh, Zouk Machine du coup et Ryan qui est un bon ami avec qui on aime bien jouer vous savez à Phasmophobia plein de jeux d'horreur tout ça c'est très 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 sympa donc on verra vu que je suis un peu fatiguée je sais pas comment je vais être après avoir fait beaucoup de lectures tout ça sur Amour sucré, donc euh, on verra, donc euh, en vrai je me prends pas trop la tête, on fait notre truc, déjà on fait l'épisode 34, ça va être très stylé, ça va être très cool, on va prendre notre dose de cassiel, euh, natte, tout ça, donc ça va être trop bien, voilà. Salut Aurore, coucou Candy, comment allez-vous, coucou Nora, comment ça va Salut Claudine également, j'espère que tu vas bien. Euh, je me suis endormie au pire moment hier soir. Au pire moment, pourquoi À ah, de faire du amour sucré, j'ai commencé à regarder les deux dernières rediff' de À travers les âges. Avant, je ne suivais pas trop ce play. Je me disais, nouvelle époque, nouvelle génération, donc go reprend. Ouais, carrément, on a commencé, en effet, euh, euh, la nouvelle génération, donc à savoir celle de la révolution industrielle la semaine dernière. Et du coup, on fait l'épisode 2 à partir de dimanche à 19h. Par contre, je vais streamer plus tard que d'habitude parce que je ne suis pas là. Euh, donc, ce sera pas à 14h, ce sera à 19h. Et vous avez toutes les rediff' qui sont à jour, ouais. Euh, salut Kilira, courage à toi. Petite question, est-ce que tu vas mettre les Sims, Anna et Alice, dans ta galerie de Sims 4 Alors non, je ne vais pas les mettre sur la galerie parce que je ne les ai plus, tout simplement. En fait, je n'ai pas sauvegardé cette partie que j'avais faite en privé pour justement TikTok et YouTube Shirt, etc. Du coup, je ne les ai plus, je suis désolée. Euh, salut Mélanie. <coughs> Cassiel, non pitié. Par contre, Quentinou, je dis pas non. Ah, je sais que vous êtes tous d'une team différente, mais euh, Quentin, moi, c'est celui que... Pff, genre, je ne l'aime pas du tout, il me gonfle. Le pauvre, euh, il m'a rien fait, hein, mais je l'aime pas. <laughs> Salut Manon, comment vas-tu euh, J'ai claqué 100 euros sur un sucré aujourd'hui pour y jouer toute la journée et voir Cassiel. Tu fais quoi, euh, high school C'est pas vrai, tu as claqué 100 balles non, mais je comprends, en vrai, c'est hyper prenant, euh, Amour Sucré. Donc, ça veut dire que tu dois avoir ouais plus de 100 balles. C'était quoi Je crois que c'est 9000 PA, un truc comme ça. J'essaierai de venir dimanche, let's go. ouais. Il y aura du The Last of Us. Alors, j'ai répondu euh, à l'instant, Camille, je ne sais pas, on verra. Il y aura peut-être euh, probablement que du Amour Sucré, selon ma fatigue. Ou alors, on sera sur la avec euh, Zook Machine et Ryan. Moi, je pas à choisir entre Cassel ou Lisandre. Ah ouais, mais c'est carrément les opposés, là. Tu préfères Armin ou Quentin Aucun des deux, c'est les deux que j'aime le moins, franchement. Mais à choisir, Armin. À choisir Armin, vraiment. Quentin, je le trouve chiant à mourir. Désolée. <laughs> j'aime pas du tout sa vibe. Je le trouve hyper collant. Euh... Je l'aimais bien au début, mais au fur et à mesure, je le me trouvais trop intrusif, trop collant. Je J'ai pas vu la soirée chez Iris. Je me suis réveillée devant Mister C. Ok, ouais, ouais, on a fait un raid chez lui hier, tout à fait. Il Y a pas de souci, Camille, T'en fais pas. Je croyais que tu étais là. En fait, vu qu'il y a plusieurs camille dans le chat, je me perds. Je pense. Désolée. Salut, Tseni, comment ça va? Après, il est mimi, mais euh, voilà, je sais pas, il... je le trouve euh, trop toxique. Enfin, vous me direz, euh, ils sont tous toxiques un peu, hein, d'une certaine façon. Euh, salut Milly, comment ça va J'espère que vous allez bien. Donc ouais, du coup, euh, au programme Amour sucré, chill, épisode 34. Euh, normalement sa fille devrait pas tarder à arriver, sinon si c'est pas sa fille, ce sera un autre modo, c'est pas du tout gênant. Euh, vous avez le point d'exclamation, Récap à dispo, Si Vous voulez savoir ce qui s'est passé hier Mais en gros, hier, on a fait le jeu de la bouteille chez Iris et c'était trop, 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 trop bien. Et Quentin justement a failli nous embrasser parce qu'on avait eu un gage et il ne l'a pas fait. Et du coup, on a Nathaniel qui a fait une énorme crise de jalousie et on s'est rendu compte aussi pendant qu'on était chez Iris qu'elle recevait des messages intempestifs de ouf et euh, du coup apparemment Sucrète se pose la question par rapport à ça donc c'est ce qu'on va découvrir euh, aujourd'hui je pense voilà moi, team Nathaniel, mais c'est vrai que Cassiel, c'est le fantasme du bad boy. Ouais, voilà, c'est ce que j'arrête pas de dire de fou. C'est que, genre, Nathaniel, c'est trop macam, euh, trop beau, trop... Euh, il est mignon, euh, il se décoince, et puis il a une histoire vraiment hyper attachante et tout. Même si je doute pas que Cassiel doit en avoir une aussi. Mais Cassiel, voilà, ça reste un peu euh, le fantasme du vrai bad boy, mais euh, trop toxique, euh, qu'on n'a pas forcément envie de trop approcher, tu vois bah là j'ai plus de PA, j'ai tout usé. Mais oui, je suis au lycée, ils m'ont créé des histoires de dingue. Pour les personnes, ça m'a rendu accro. Et vu que c'était calme au bureau, bah voilà, mais je comprends de fou. Hein. C'est trop bien, Amour Sucré. Et j'ai très très hâte d'ailleurs de passer à Campus Life. Là du coup, on va commencer l'épisode 34 et il y en a 40 en tout. Donc mine de rien, je pense que d'ici deux semaines, on sera à la fin de Amour Sucré High School et on pourra commencer Campus Life. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Salut moi, ça va et toi Cassiel, en vrai, de vrai, quand tu avances avec lui, tu découvres un tout autre Cassiel. Non, mais c'est pour ça que je ne juge pas en mode... Je traite de toxique sur ce que je sais de lui, mais je me doute qu'il doit avoir une histoire hyper intéressante et qu'il doit, il doit être attachant. Mais je pense que c'est un peu comme tous les personnages. J'imagine que c'est pareil pour... Euh, euh, pour comment il s'appelle Pour Lisandre, pour euh, Quentin, tout ça, quoi. Cassiel, c'est comme le vin, il devient meilleur avec le temps. Oh me spoiler pas, mais s'il y a des personnes parmi vous qui ont déjà joué à Campus Life, ça veut, doit probablement dire qu'à Campus Life, c'est un autre. Euh, mm, autre chose. Ouais, non, mais j'ai vraiment. Ah, salut Carnage Mais même sans son histoire, juste son comportement est super différent, je trouve. Bah, du coup, on découvre un Cassiel qui est plus euh, en mode love to love, et peut-être un peu romantique, et peut-être un peu taquin, mais pas toxique. C'est probable, hein. Je suis contente. Pour la première fois, je joue au Sims 4 avec DCC. Et tu kiffes, du coup Salut, Lomi Geeks, comment vas-tu Oui, mais je ne spoilerai pas. Ouais, ouais, ouais on ne veut pas de spoil, parce que moi, j'adore découvrir les choses vraiment dans le tas, quoi. J'adore. Euh, pas du tout, Mélanie, mais oui, un petit loto serait une très, très bonne idée. Carrément, Mélanie, régale-toi. Très bonne idée, Mélanie. Ouais, de fou. On va faire une petite prête de loto, carrément. Très sympa. Ça va, et toi, Carnage euh, coucou Sissou, comment vas-tu Moi, ça va, mais je viens de sortir de ma séance de cinéma Vice Versa 2. J'ai énormément pleuré parce que je me suis identifiée au personnage de Riley et j'ai super bien ressenti les émotions, bref beaucoup beaucoup pleuré et j'ai adoré le film alors je l'ai pas encore vu Vice Versa 2 mais j'ai entendu dire qu'apparemment effectivement il était vraiment très bien que par rapport à Vice Versa 1 il était beaucoup plus adulte on va dire il s'adresse moins aux enfants et plus aux adultes au niveau des émotions parce que alors on m'a pas spoilé et j'ai pas envie qu'on me spoil non plus parce que je compte vraiment le regarder mais on me disait qu'il y avait anxiété qui était là. Et du coup, ça a ramené un aspect beaucoup plus adulte et une autre dimension au film. Et moi, j'avais déjà adoré Vice Versa 1. Vraiment, vraiment, j'avais adoré. Je trouvais que les graphismes étaient trop cool. Les émotions sont sympas. Et j'ai adoré Joie et tout. Enfin bref, voilà, j'ai adoré. Donc j'ai très hâte de voir à un moment donné Vice Versa 2. Sauf que je pense que ça fait un moment qu'il est sorti au cinéma. Il va plus être dispo au bout d'un moment. Parce que là, si je vais au ciné, c'est pas avant trois semaines, quoi. Donc il sera pas là. Tu ne l'aimes pas trop dans Campus Life non plus ah ouais c'est vrai salut Moon ça va et toi trop hâte de voir comment ils vont évoluer dans Campus Life mais moi aussi de fou de fou de fou et je suis hyper contente qu'il y ait des personnes parmi vous qui suivent du coup la série avec moi je suis navrée euh, de des rediffusions en ce moment d'Amour sucré mais je vous jure en fait je suis très emmerdée il euh, y a une rediffusion je vous ai dit qui est corrompue quand je la télécharge directement sur l'ordinateur euh, et je la télécharge direct de Twitch je ne peux rien couper avant et euh, je ne peux pas mettre les épisodes que j'ai fait en ce bâton d'amour sucré, ça me gave. Là, je peux mettre celui d'hier sans problème et ça me prend deux secondes en plus de le faire. C'est pour ça qu'à chaque fois les épisodes d'amour sucré sont plus euh, postés plus rapidement que Barbie par exemple, parce que en deux deux télécharger mis directement. Donc il euh, n'y a aucun souci. Et là, euh, je mets trois plombs parce que je n'arrive pas à télécharger cette foutu truc. Alors que la rediff d'aujourd'hui, je pourrais la mettre demain. La rediff d'hier, euh, je pourrais la mettre demain aussi, genre sans problème. Et du coup, ça me saoule parce que je suis hyper à cheval sur les rediffusions euh, euh, VOD, surtout d'amour sucré et. Euh, et euh, comment s'appelle Et à travers les âges. Mais là, en tout cas, à travers les âges, vous êtes à jour. Euh, D'ailleurs, il y a une nouvelle vidéo Barbie sur ma chaîne YouTube principale qui arrive demain. Et il y a l'épisode du 100 Baby Challenge qui arrive demain. Spoiler alerte, je vous le dis parce qu'on est en petit comité. La vidéo, elle dure quasiment 40 minutes. Vu que j'ai pas posté de vidéo YouTube la semaine dernière et que vous n'avez pas eu de 100 Baby Challenge, bah là, l'épisode dure 40 minutes. À peu près. Donc voilà, vous allez pouvoir euh, vous régaler, je pense. Salut Emma, comment vas-tu Salut Comi, comment ça va Ouais, apparemment, il est vraiment bien, euh, vice-versa, ouais. C'est quelle touche pour baisser les objets en mode construction Zéro Zéro ou neuf Je sais plus. Je sais plus. Euh, en fait, je le fais tellement automatiquement, je crois que c'est zéro pour baisser. Ouais, vous avez de quoi vous occuper ce week-end, alors je suis encore en train d'essayer de rattraper le retard hein, de mes postes Barbie, là demain vous avez l'épisode 24 qui sort, euh, l'épisode 25 malheureusement il verra pas le jour cette semaine parce que bah, j'ai pas fini, et que j'ai pas de miniature encore, donc euh, ce sera début de semaine prochaine, du coup j'hésite à vous faire du Barbie lundi, je pense qu'on fera pas Barbie lundi exprès, hein, pour euh, euh, que je rattrape mon retard et que vous ayez euh, tous les épisodes de la semaine prochaine, qu'on soit tranquille quoi Trop bien Salut Kev. Ouais apparemment, euh, alors je sais pas où t'es, mais je crois que c'est vers le milieu et nord de la France. Il y a vachement de rage. Nous aussi aujourd'hui, alors il fait pas horrible, il fait pas dégueu dégueu, mais il fait moins beau qu'hier. Pour le coup. Mais voilà. Sinon aujourd'hui, écoutez. Pour vous raconter ma petite vie, j'ai passé une bonne journée. Euh, on a eu un rendez-vous aujourd'hui pour faire estimer l'appartement, figurez-vous, parce que vous savez qu'on est en projet d'acheter une maison. Euh, ce qui fait qu'on a commencé à entamer les démarches. La semaine dernière, on est allé en agence immobilière euh, pour euh, discuter un petit peu de nos critères, etc., pour voir si l'agence, elle pouvait éventuellement nous aider à trouver une maison. Même sinon, on regarde de, de notre côté. On attend encore la validation du banquier euh, pour avoir euh, exactement le montant de notre capacité d'emprunt et le taux surtout et du coup on a eu aujourd'hui euh, du coup des personnes qui sont venues à l'appartement pour le faire estimer donc du coup euh, elles ont pris des photos elles ont visité l'appart elles ont tout regardé etc et euh, d'ici la semaine prochaine on aura une euh une première estimation. Donc on espère qu'on aura une bonne estimation pour pouvoir le vendre euh, à un prix euh, entre guillemets décent. Enfin décent. À un bon prix pour pouvoir avoir un apport assez conséquent quand on achètera la maison. Et euh, voilà, donc euh, j'ai très très hâte. Mais dans tous les cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à une autre agence euh, qui est euh, juste à côté de la maison de faire estimer aussi l'appartement pour qu'on ait des moyens de comparaison. Parce qu'on n'a pas envie de se faire entuber. Voilà. Donc du coup, ouais, euh, très contente d'avoir eu euh, cette petite euh, visite aujourd'hui. Voilà, ils sont, elles sont venues voir et tout, c'était sympa. Et euh, ça nous réconforte un petit peu parce que l'appartement, il n'a pas forcément besoin de travaux, il n'a même pas besoin d'un énorme rafraîchissement, apparemment, il est bien comme il est. Du coup, je suis contente, même si nous, on s'était dit qu'à la base, on voulait refaire la salle de bain, on voulait même refaire euh, toutes les peintures et tout. Et ils nous ont dit que, en fait, ça allait bien. Voilà, que ça allait bien comme ça. Donc, euh, on verra. Ouais, je suis trop contente, franchement, trop, trop hypée là. Mon rêve, c'est d'acheter un terrain et de faire construire ma maison. Mais tu vois, ça, c'était un truc que je voulais faire avant. Mais maintenant, quand je sais que la majorité des euh, sociétés de construction font faillite, ferment, ne terminent pas les travaux, que souvent, malheureusement, il y a beaucoup d'arnaques où ils commencent et au bout de six mois, ils s'arrêtent. Et après, tu as ton, ta maison qui est à moitié finie et tout. Il y, y a beaucoup de problèmes, en fait, au niveau des sociétés de construction en ce moment. Et euh, j'ai, avec du recul, tu vois. J'ai plus du tout, du tout, du tout envie de faire construire parce que je me dis que ce serait énormément d'investissement, énormément de boulot. Moi, je préfère prendre une maison ancienne, entre guillemets, et euh, me dire, euh, voilà, euh, je pose mes affaires et s'il y a deux, trois travaux à faire, je les fais, mais pas une rue non plus. Euh, en fait, j'ai trop pas confiance aux sociétés, euh, aux sociétés de construction maintenant. Parce qu'il euh, y a toujours un truc, il euh, y a toujours des retards, il y a toujours euh, un enfer où ça fait faillite, où tu peux jamais avoir euh, confiance au constructeur. Franchement, flemme, flemme, flemme. Mais après, il y a aussi des personnes avec qui on en discute et que, bah, on a des amis qui font construire leur maison, ils n'ont pas de problème. Hein. Donc euh, j'ai l'impression que c'est un peu euh, selon. Voilà, les constructeurs que tu as. Ça va et toi, Sindou Trop le projet maison. Vous commencez déjà vos recherches. Ouais ouais ouais. On a commencé Nayati parce que on aimerait déménager. Euh, alors pas rapidement non plus. En fait, on aimerait l'année prochaine. On aimerait bouger l'année prochaine. Le truc c'est qu'on justement, on fait estimer l'appartement dans lequel on habite parce qu'on est propriétaire et euh, on aimerait du coup vendre l'appartement rapidement pour pouvoir acheter parce que du coup, sans l'argent de l'appartement, on ne peut pas acheter vu que ça fait partie de notre rapport. Donc ils nous disent que ça peut aller super vite comme ça peut être long. Mais apparemment, vu l'endroit où on habite, vu l'appartement, vu les critères de l'appart, etc., il peut se vendre rapidement. Donc d'un côté, ça peut aller hyper vite comme ça peut être long. Du coup, on ne sait pas trop sur quel pied danser. On est en mode ok, bah j'espère en tout cas que euh, voilà, on arrivera à, à vendre assez rapidement. Salut Penka, comment tu vas mon rêve d'acheter une vieille maison en pierre et tout retaper. Non mais ça aussi, mais vous êtes trop courageux. Hein. Je pourrais même pas faire ça. Genre, je te jure, quand je dis des petits travaux, moi ce serait des travaux du style, euh, ok, je refais une cuisine, une salle de bain. Mais quand je pose mes affaires et mes meubles et mes valises, la maison, elle est habitable. Sinon, je rentre pas dedans. J ai, j ai... Ça me fait trop peur les travaux. Ça me fait trop, trop peur. Les gros, gros travaux, genre hyper conséquents, tu vois. Salut Coquillette, comment tu vas? Coucou Max, bienvenue dans le chat. Salut Mira, comment vas-tu? Et salut Eljam, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien. Moi aussi, je voulais absolument, mais ayant travaillé dans les, la logistique de Ikea, tous les problèmes que j'ai vus avec les commandes des clients. La logistique d'Ikea? Mais Ikea, euh, c'est pas de la construction, c'est des meubles. Du coup. Euh... C'est quoi, euh, c est, c est quoi le, le rapprochement entre les sociétés de constructeurs et de travaux et Ikea Y a un lien si tu offre-moi une niche, promis, je serai sage. Pardon. <laughs> tu veux vivre dans ma maison ma, ma maison qui n'existe toujours pas d'ailleurs. Ah bah là, c'est un énorme projet de vie, Candy. Hein, hein. T'aimerais euh, rentrer chez toi N'oublie pas de faire le diagnostic énergétique de ton appartement car ils vont le demander pour le mettre en annonce. Oui, bien évidemment, oui, oui, c'est sûr. Salut Lucie, bienvenue dans le chat, j'espère que tu vas bien. Donc voilà, du coup, on a eu notre rendez-vous aujourd'hui qui s'est bien passé. On était très contents de l'avoir fait. Mais euh, je vous dis, on n'a pas forcément envie d'avoir un seul avis. On aimerait en avoir plusieurs. Donc on va demander à une autre agence de venir estimer l'appartement. Parce que, en fait, là, ce qui nous fait un peu flipper, c'est que. Le prix ne serait peut-être pas celui qu'on aimerait. Donc, à voir. À voir. Parce que du coup, ça colle pas. En gros, on a une agence en bas de chez nous. Et ça colle pas du tout. Ce qu'elle nous a dit colle moyennement avec ce qu'on voit dans l'agence qui est en bas de chez nous. Donc, on a besoin de vérifier. Salut Pikachu, comment vas-tu J'aime ce genre de choses. C'est vraiment un kiff de créer. Mais voilà, mais je comprends de fou. Il y a des gens, pour eux, c'est ça. Limite le but de l'achat. C'est de se faire kiffer, de construire, de retaper. Mais ça. C'est trop bien! Surtout quand t'es entouré et que t'as des gens autour de toi qui peuvent le faire. Nous, par exemple, on n'est pas du tout des bricoleurs. On est nul à chier. On est zéro. Mais pas parce que euh, on n'aime pas ou quoi. C'est parce qu'on n'a jamais fait, en fait. Merci Lexara pour le follow bienvenue. Du coup on n'a jamais rien retapé, on n'a pas la patience, on, est... on fait le strict minimum et même le strict minimum c'est même pas moi qui le fais quoi. Genre ces Zouk machines, moi j'ai vraiment j'arrive pas, j'aime pas du tout et donc du coup j'arrive pas à me projeter dans une maison où je me dis oh my god mais je vais devoir faire des travaux de A à Z. En fait j'aurais tellement peur d'être nerveusement épuisée et de pas être satisfaite à la fin. Vous voyez ce que je veux dire Ça me fait peur ça. Perso, si je ne me fais pas déshériter entre temps, j'hériterai sûrement de la maison de mes parents et j'achèterai un appart en France. Mais go, très bien. Hein. Ça te fera une plus-value. Enfin, ça te fera une plus-value. Ça te fera um, un, un patrimoine. Salut, bisounours, comment ça va euh, Coucou, Lexara, bienvenue. Ça va et toi Salut, Moline. Je suis bricolose, ma famille l'est, mon frère est menuisier. Bah, ben, tu vois, nous, on n'a personne dans notre entourage qui est bricoleur. Mon père ne l'est pas. Mon beau-père l'est à peu près quand même, mais je ne euh, me vois pas lui demander de venir faire deux heures et demie de route pour nous aider à bricoler, alors que pff, nous, euh, mes MDR, euh, laissent tomber. Euh, non, il n'y a personne dans notre entourage qui est vraiment bricoleur, quoi. Donc euh, voilà, on... nous, euh, si on fait de la peinture, c'est bien, vraiment. Et nous, on sait juste monter des meubles Ikea, quoi. Euh, c'est quoi Topachat Alors Topachat, c'est une entreprise française qui fait partie du groupe LDLC, qui vend des configurations d'ordinateurs de, et de matériel informatique. C'est une marque très 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 connue en France. C'est une très bonne marque que je recommande et que, chez qui euh, j'ai acheté euh, certains de mes composants de mon PC. Euh, voilà, donc euh, très bonne marque si vous voulez vous faire une tour, vous acheter des ordinateurs, trucs comme ça. C'est vrai que quand on se lance dans de grands travaux, c'est pratique d'avoir des gens qui s'y connaissent et qui peuvent nous aiguiller pour éviter les mauvaises surprises. Exactement, tu vois, c'est ça. Moi, j'aurais trop peur de m'embarquer dans un délire comme ça alors que j'ai zéro connaissance. Merci Lexara, c'est gentil. Je suis pareil que toi, MDR, et en plus je sais même pas monter un meuble Ikea. Non mais moi non plus. Genre euh, je sais à peine monter une table basse et une lampe. Ça me, tu vois, ça me, ça me fout droit quoi. Ça me fout droit de ouf. Et j'ai pas la patience en fait. Je me rends compte, j'ai pas la patience. Je suis là en mode Oh là là Ça me saoule Du coup, ouais, c'est pour ça que je suis en mode Maison prête, habitable. S'il y a 2-3 trucs à refaire, euh, eh ben on paye et on fait refaire par, euh, par une entreprise. Mais voilà, c'est tout. Salut Ultraviolet artiste, comment vas-tu Mais après, en tant que premier enfant et fan de DIY, je me sens trop d'acheter et rénover. Et puis, je trouve que ça fait très personnel. Non, mais je comprends, je comprends carrément. Et moi, je suis plus dans la partie où j'aime plus décorer que rénover vraiment. La rénovation dans les sims, ça ne me dérange pas. Mais euh, dans la vie IRL, en fait, c'est que je me dis que si je rénove, je le ferai pas moi-même. Je serai dans l'obligation de payer une société pour qu'elle me le fasse. Parce que je ne peux pas et je ne sais pas. Genre, poser du parquet. Euh, faudrait qu'on regarde, qu regarde une vidéo YouTube pendant des heures Et qu'on soit sûr et qu'à tout moment on s'y reprenne Et machin et qu'on prenne des mesures et tout Mais ça, euh, euh, laisse tomber quoi Salut euh, Captain Win Salut Lena. Euh, super merci à toi Ah pardon je croyais qu'on me parlait à moi C'est quoi ton signe astro Je suis balance pourquoi <laughs> Pourquoi pourquoi ce soir on est sur euh, Amour Sucré au début et après peut-être qu'on passera sur la Labyrinthine ou The Last of Us, on verra. Je suis un peu fatiguée aujourd'hui, je m'en pas, donc euh, on verra. Là en tout cas ce qui est sûr c'est Amour Sucré d'abord. Salut le loup euh, du 1905. Pareil quand j'ai déménagé ce sont mes frères qui sont venus me monter ma table basse mon lit armoire etc le seul meuble que j'ai monté c'est le meuble télé j'ai galéré ma mère a mis deux heures pour un petit meuble de rien du tout elle me dit ouais non mais tu vois c'est ça il y a des gens ils sont pas bricoleurs c'est comme ça genre t'es pas bricoleur tu l'es pas il y en a ils aiment trop ça moi j'aime pas non mais c'est aussi dans les sims ce que si dans les sims ce que je kiffe c'est construire forcément il je ferme mes travaux mais tu sais que c'est pas forcément euh, obvious hein il y a des gens euh, genre euh, ils ils adorent faire de la construction et tout dans les sims, mais dans la vie réelle, ils vont être en flemme C'est pas si obvious que ça. Hein. mon Secret, c'est un jeu de drague, euh, les euh, où euh, ton scénario change en fonction des choix et des dialogues que tu choisis. Voilà, c'est un jeu qui date de 2013, qui est très sympa, et euh, qui, là, pour le moment, on joue à cet opus-là, mais en avant des lycéens. Voilà. Ma, ma mère, c'est ma pro du bricolage. Trop bien, vous avez de la chance en vrai. Hein. Ah bah dans les sims, c'est beaucoup moins technique. Elle me dit il y a moins de ciment. Il y a moins de ciment, il y a moins de pierres à poser. Mais par contre, les toits. Euh... Wow. Salut euh, NMS. J'ai pas dit ma mère, mais sa mère. Ah, ok, pardon, j'ai cru que c'était la tienne. Faudrait demander à Mr. C s'il aime la construction IRL. Oui oui, je peux te répondre, je le sais. Lui, il rêve d'avoir son manoir victorien, et je pense qu'il aimerait. Alors peut-être qu'il ne ferait pas construire parce qu'il aurait la flemme ou parce que pour les mêmes raisons que moi. Mais lui, il est beaucoup plus enclin à qui fait la construire. Ah ouais, ouais. Ah oui, de ouf. Lui, rénovation et tout, ça lui fait pas peur. Hein. Les toits dans les Sims. D'ailleurs, en parlant de toits dans les Sims, n'oubliez pas, il y a un challenge construction qui est en cours. Et d'ailleurs, j'ai décalé la date parce que je me suis rendu compte hier que euh, je n'étais pas là en fait la semaine euh, du 28. Je ne suis pas là, je suis en vacances. Donc la journée, enfin la date butoir a été décalée au 4 août. J'ai dit 4 août ou 3 août? Je crois que j'ai dit le 4 août, donc euh, 23h59. Ça a été mis à jour sur le document, etc. Donc vous avez un peu plus de temps. Mais je vais euh, faire un post sur Discord et je vous ferai un post aussi sur les, euh, sur les réseaux pour que vous ayez l'information. Euh, mais normalement, euh, Safi euh, a fait un post sur Discord de même. Je n'ai même pas besoin de le faire, mais je vais vous le faire sur, euh, sur les réseaux sociaux pour que vous ayez euh, les infos. Mais en tout cas, je sais que vous êtes nombreux à participer à ce concours et c'est grave, 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 cool. J'ai hâte de voir vos constructions vraiment. Et toi, dans les Sims, c'est ma hantise. Ah, ça aide beaucoup de monde, je pense, malheureusement. Bah, tu vois, ça marche aussi pour l'UMDR. Oui, Ouais, ouais, mais. Il y a des gens, même, j'ai vu. Je sais plus où j'ai vu ça. Il y a des gens qui font construire. Enfin, qui construisent leur maison. Et qui décorent leur maison de rêve un petit peu dans les Sims. Et qui la montrent à des architectes. Pour qu'ils essayent, éventuellement, pas de reproduire exactement la maison, mais pour qu'ils aient une idée. Du type de maison que les gens veulent, mais c'est incroyable. Mais je crois même d'ailleurs que les Sims à la base, l'essence même des Sims au début, si je dis pas de conneries, hein, c'est que de la construction et c'est que pour ça, hein, de base. Hein. Salut Maëlys, ça va et toi Suis-je la seule qui galère à construire un toit Non, mais il y a beaucoup de monde qui galère de fou. Hein. Ouais, ouais, ouais. Si toi tu viens de me, de me donner une idée de génie. <laughs> On veut l'appart d'Iris en Sims, il faudrait que je check la galerie. Bah, à tout moment, ça existe. Hein. Salut Manon, ça va et toi Mais en vrai, les toits dans les Sims, c'est pas évident, mais je pense qu'avec de l'entraînement, tu peux. Je suis toujours pas douée en toi, je galère toujours, mais je trouve que, même si ça prend du temps, je finis toujours par m'en sortir. J'arrive toujours à trouver un truc. Parce que. Tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'entraînes, tu t'énerves dessus, tu t'énerves dessus et tu te focuses. Donc euh, voilà. Tu, à force de s'entraîner de toute façon, c'est comme tout. Hein. Trop fort, mais si j'avais fait d'abord ma maison dans les Sims, je vivrais aujourd'hui dans un taudis. <laughs> J'ai construit ma maison de rêve sur les Sims, même si je ne suis pas douée en construit. Et bien au pire, vous faites un premier jet de votre maison de rêve et améliorez-vous et entraînez-vous dessus. C'est un super objectif, non, pour s'améliorer en construction, hormis les challenges. Je sais pas à quelle heure se termine le live, j'en ai aucune idée. Salut euh, Calvin, ça va et toi euh, Non, pas du tout PNK. Moi j'ai regardé un tuto et j'arrive mieux, mais bon, je suis pas encore très forte. Mais ça à, à force de pratiquer en vrai. Hein. J'adore. L'idée est très très bonne. Moi je vous dis, faites-vous kiffer. Faites vous kiffer de ouf. Euh, coucou, est-ce que tu as un tutoriel pour les constructions Je suis nulle. Salut Caro, non, euh, je n'ai pas de tutoriel pour les constructions. Mais par contre, sur YouTube, tu vas pouvoir trouver des tutos euh, chez Pixia et chez Belle Peinte, par exemple, qui sont euh, des youtubeuses qui construisent très très bien et euh, qui ont fait pas mal de tutos. N'hésite pas. Merci Feu. Bah, franchement, après 5 ans, ma mes maisons. Mais T'es. Quoi J'ai pas compris la phrase, je suis désolée. J'ai pas. Pas compris. Euh. Ah oui, d'accord, je, je croyais qu'il manquait un mot. Bah c'est bien, oui, mais c'est à force de s'entraîner en vrai. Non, mais c'est bien, c'est bien. Je vous dis, quand je vois mes premières, premières construites, et que je vois aussi qu'il y avait même des moments où je voulais carrément pas construire euh, sur les Sims, et que je vois maintenant, j'ai carrément fait un TikTok et un YouTube short sur le sujet, comment j'ai arrêté d'être nulle en construction. Parce que je ne m'estime pas être nulle, je m'estime juste être débutante. Voilà. Mais... En voie d'amélioration parce que justement je construis de plus en plus. Hein. La maison de Barbie, c'est moi qui l'ai faite. La maison du 100 baby challenge, c'est moi qui l'ai faite. La deuxième maison de mon 100 baby challenge, c'est moi qui l'ai faite. J'ai fait une maison que j'ai partagée dans la galerie euh, quand euh, on avait fait le challenge euh, vampire. Voilà. Donc au fur et à mesure, tu vois, tout t'améliores. C'est pas parfait, mais c'est cool. Je pense que je vais acheter les Sims. Alors le jeu de base est gratuit, en effet. Par contre, les packs, les kits, etc. sont payants. Et euh, si jamais vous achetez, d'ailleurs, n'hésitez pas. Vous avez toujours mon code créateur qui est dispo. Hein. Oui, six souris de ma galerie, ouais. Tu devrais au moins aller voir sa galerie. Elle fait des mini-villages trop mignons. Alors, je connais hein, Sidmac et j'ai déjà euh, téléchargé une de ses constructions pour une vidéo YouTube que j'avais faite, figure-toi. Ouais. Elle a beaucoup, beaucoup de talent. Excusez-moi, excusez j'ai cru que j'avais... Euh, <laughs> j'étais en train de lire un message, et j'étais en train de me dire, mais y a, y a, j'ai fait une bourde dans le message, mais pas du tout. Excusez-moi, je suis restée trop focus dessus, là. Aujourd'hui, je suis retombée en enfance. J'ai fait des bracelets brésiliens. Ah oh ouais, à l'ancienne, moi, je faisais, quand j'étais petite, je faisais des, euh, des Scooby-Doo. Ma passion, les Scooby-Doo. J'en faisais euh, trop... Euh, mais j'en faisais plein, mais mon Dieu, mais pourquoi je les ai plus Je suis dégueu. Les joueurs de Sims, je vous admire, franchement, vous avez une patience et une créativité débordante. Franchement, je suis presque jaloux. Bah en vrai, euh, je trouve que les Sims, c'est tellement, tellement accessible à tout le monde, parce que tu as énormément euh, d'aspects du jeu que tu peux explorer. En vrai, euh, n'importe qui peut jouer aux Sims. Hein. Alors, Amour secret, c'est gratuit, oui, mais les PA, donc les points d'action, ne le sont pas. Les joueurs... Et du coup voilà. Alors, ce que je vous propose, parce que je vous dis, euh, moi, j'ai très envie de commencer, les gars. J'ai peur, ma z. Salut, Pixelis. J'ai même pas besoin de regarder que je sais très bien que c'est toi. C'est une dinguerie quand même de se dire ça. Euh, on va se mettre du coup sur amour susu un peu là, normalement vous êtes ici, c'est parfait euh, vous avez du coup le point d'exclamation récap qui vous permet de récapituler, d'avoir le récap pardon de l'épisode de la veille et, et il y a un truc que j'ai pas fait et que je vais faire avec vous même si je sais que c'est hyper chiant, je vais euh, aller récupérer mes petits golds et quelques PA même si euh, alors Bimou m'en a envoyé beaucoup et merci à eux encore euh, pour euh, leur gentillesse donc euh, j'ai quand même pas mal de PA euh, pour aller jusqu'à Campus Live je pense mais genre sans problème mais du coup euh, je vais quand même gratter un petit peu les PA du jour que je n'ai pas fait avant, avant le stream, quoi. Voilà. Ah, let's go 20 petits PA, là, on kiffe. Hop. Oh non, ça, je déteste, ça m'ennuie. OMG. Les espèces de, de moustiques, là, de bestioles dégueulasses. Salut, Michicola, comment vas-tu Hop. En plus, il n'y a même pas de musique, tu sais. On est là en train de tuer des insectes pour gagner des PA. Et au bout d'un moment... Il y en a tellement que tu n'arrives même plus à les capter. <laughs> voilà. Tu ne vois plus rien. Tu crois que tu pourrais partager un peu de PA J'aimerais bien, c'était possible. Mais on peut s'ajouter en ami sur Amour Sucré, mais tu ne peux pas t'échanger de PA ni rien du tout, même des gold et tout. Parce que là, en gold, mais je suis richissime. Hein. J'en ai 2900, pour vous dire. Et encore une fois, merci à Beemove, hein. Et là, en PA, je suis à 14 293. Donc, euh, on, est, euh, on est pas mal du tout. Mais après, euh, c'est leur seul moyen de gagner de l'argent. Avant, dites-vous que les PA, c'était, euh, je le dis à chaque fois, c'était au mouvement. Et maintenant, c'est vraiment au dialogue. Donc, bon, quand tu comptes tes PA et tout, je peux comprendre que tu sois hyper dans le seum quand la sucrète, elle se parle à elle-même et que tu es en mode, bon, ferme ta gueule, meuf, arrête de penser, de réfléchir toute seule. Un peu d'action avec les garçons, avec les potes et tout, s'il te plaît. Mais euh, sinon, avant, c'était euh, au mouvement. Et euh, quand tu avais certains mouvements, des fois, ils te faisaient. Te balader dans tout le lycée, mais exprès, hein, pour que tu dépenses tes PA. Hein. Mais bon. Donc, euh, je sais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui ont joué avant. Je sais pas si la frustration, elle est plus forte sur les dialogues ou sur les mouvements. Je pense quand même qu'à choisir, les mouvements doivent être beaucoup plus frustrants. Purée, mais je. Oh Il y en a beaucoup trop, là. Allô, allô, il y a trop de rouge J'arrive pas à tuer la moitié. Putain, putain, putain. Non, mais voilà, mais voilà, mais voilà, voilà, voilà. tu vois plus rien. Hein oh non, j'aime pas ça. Euh, Hello Cube Cubic, comment ça va J'avais joué à ce moment-là, j'ai arrêté à cause de ça. Mais je comprends de faux. Oui, c'est plus, plus les mouvements qui frustraient, mais je comprends grave. Alors ça, préparez-vous, ça va être long. Hein. Quand j'étais petite avec mes parents, je peux pas vraiment lire. Hein. On vendait des Scooby-Doo au marché. Trop drôle Je ne pas trop lire, mais euh, n'hésitez pas, je rattraperai le chat. Là, mon record, c'est niveau 7 sur 10. Non, c'est niveau 8 sur 10, mais j'ai fait à peine le début les débuts, pardon, du niveau 8 et j'ai pas pu continuer. Quoi. Ça allait beaucoup trop vite. On va voir si je bats mon record. Hop. Tout ça pour gagner euh, 4 PA qui se battent. Sublime. Ça m'amènera à 14 300 PA, c'est pas grave. Allez, niveau 1, ça va aller plus vite. J'adorais ce genre de jeu quand j'étais au collège et au lycée. Ce genre de jeu, c'est une dinguerie. Faut te parler avec Chantal pour qu'on puisse avec une conversation Exactement. Là, là, pour le coup, grave, parce que je ne peux pas lire. Je dois être concentrée sur le ballon. Merci beaucoup, en tout cas, pour les euh, 100 bits. Merci infiniment. Merci du soutien. Les Sims n'existent pas sur Switch. Les, les Sims existent sur PC et console. Euh, sinon, tu as les Sims mobile et Sims free mais c'est pas du tout la même chose que sur console et sur PC. Sinon, pas de Switch, non. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi euh, ils n'ont pas fait euh, euh, des Sims sur Switch en vrai. Il y avait bien euh, les Sims avant euh, sur euh, PSP et compagnie. Hein. Alors, c'était d'autres DLC, un hein, autre style de jeu, mais c'était grave bien quand même. Ils auraient tellement pu le faire. Peut-être qu'avec le projet René, donc euh, celui qu'on appelle les Sims 5, même si on n'a pas la preuve que c'est vraiment les Sims 5, mais on va dire ça. Euh, Peut-être qu'il y aura la Switch, qui sait. Ce serait vraiment sympa. Ce serait même très très cool. Qu'on euh, y ait accès sur tablette. Mais on avait vu euh, que ça pouvait être accessible sur téléphone, sur tablette. Je ne sais pas, à voir. Oula, mais j'ai failli euh, me perdre là. Ouais, il y avait DS aussi. Moi j'ai joué sur la PSP. Je me rappelle. C'est très perturbant, il n'y a pas de musique. Je suis seule avec moi-même là. Oh là là. Attendez, attendez. Mm. Oh my. Et on n'est que niveau 3. J'ai l'impression de voir flou déjà. Salut à ceux qui arrivent, comment allez-vous Eux Ok, ça va. Moi j'aimerais qu'il aille s'insérer entre les cubes là, pour qu'il en tape plein d'un coup. Oh là là. Hop. Ok. Ah J'ai fait n'importe quoi. Ok, ça va. Mais va dedans Genre, ça me rappelle trop les jeux. Je sais pas si vous, vous y jouiez, jouiez avant, pardon. Euh, comment ça s'appelle euh, Mince Fruit... fruit euh, les, les trucs des fruits, là. Fruits Ninja Oh ma passion, fruit Ninja. Ou alors tous les jeux comme ça à la con, euh, Doodle Jump, Space Jump. Oh là là, ma vie entière sur ces jeux-là. Je pourrais y passer des heures. Hein. Ou alors les, les jeux avec des boules et tu dois, tu dois les euh, faire viser sur le même. Euh, putain, mais j'en ai marre. Euh, le faire viser sur les mêmes couleurs et les faire exploser. Ma vie. J'adore. Ok, on est au niveau 4. Tout ça pour, je vous jure, tout ça pour genre 3 PA. Hein. Rien de plus, hein. Euh. Non, mais je vous jure, je suis trop concentrée là. Candy Crush, ouais. Candy Crush, euh, j'ai plus joué depuis un siècle et demi. Oula, ça y est, ça va vite là. Hein. J'ai plus joué depuis un siècle et demi, mais je crois que j'étais arrivée niveau 3000 et quelques. Un peu plus de 3000. Tellement je spammais à une période de ma vie. La période de ma vie où je spammais, je spammais pardon, le plus. Euh, Candy Crush, c'était quand j'étais en master. Oh là là, je vous raconte pas. En cours, quand je me faisais chier et que j'avais rien à faire. Candy Crush, Candy Crush, Candy Crush. Ou à la maison. Oh là là, c'était n'importe quoi. Ah, ça va vite, là. Niveau 6, ça y est. Là, on va voir flou, les gars. Oh non, mais c'est insupportable quand ça fait ça. À votre avis, combien je vais gagner de PA 5, moi, je dis. Ou 4. Ah, ah. Peut-être que ça va le casser. Oui Let's go! On va plus être gêné. Moi là, mon objectif, c'est même pas les PA, c'est de gagner mon. De battre mon record. Niveau 8. Allez, vas-y, vas-y, casse tout. On est niveau 7. Oh là, oh ouais. Oh, ça va trop vite, ça va. Ah! Je suis niveau 8. Ça va trop vite. C'est impossible, ça va beaucoup trop vite là Ça va beaucoup beaucoup trop vite là Mais pourquoi j'ai pas de musique par contre Ah, c'est bon. Petite musique. Bon, on a tout ça pour 4 PA de merde. Hein. C'est vraiment euh, minable. Allez, c'est parti. Attendez, deux secondes, j'arrive. Je voulais prendre un truc à grignoter. Je suis deg. Je voulais me prendre un, un truc euh, à grignoter en deux spi. On n'a rien. Je suis dégoûtée. Dégoutée. Euh, alors, épisode 34. Message inquiétant. Après la soirée chez Iris, tu réalises que tes amis ont sûrement des choses à cacher. Mais il serait peut-être temps de penser à toi et à ta relation. car cependant au retour de Flamme. Oh, good. 250. Parfait. J'ai un peu la boule au ventre ce matin. Ce qui s'est passé à la soirée d'Iris, ce n'était quand même pas rien, et je crois qu'on s'est fait vraiment remarquer. Je m'attends à devoir affronter un lot de questions. Si ça se trouve, je suis juste parano. Allez, j'ai intérêt à me presser, je ne veux pas être en retard en cours d'histoire. Ouais, du coup, vous avez le point d'exclamation récap, si jamais. Euh, hier, on a joué au jeu de la bouteille. Il s'est absolument rien passé, mais en gros, il y avait un gage dans lequel on... Quentin devait nous embrasser. Il ne l'a pas fait du tout. Et euh, ça y est, euh, Nat, il est parti en PLS. Il a fait une petite crise et tout. Mais d'ailleurs, je ne vous ai même pas montré euh, les élus qu'on a eu hier, pour ceux qui n'étaient pas là. On a eu sept élus là, parce que euh, du coup, euh, vu qu'on a fait le jeu de la bouteille euh, Priya, a embrassé Iris, et euh, du coup, je pense, ne me spoilez pas, que Priya est probablement bisexuelle, ou un truc comme ça, ou peut-être même euh, homosexuelle, et du coup, on a eu cette illustration-là, où euh, Nathaniel, d'ailleurs, j'aime pas trop trop l'illustration, c'est pas la meilleure, parce que je trouve que la tête de Nathaniel, elle, elle est un peu bizarre, mais Nathaniel, justement, euh, fait un petit peu une crise de jalousie, et a pas du tout kiffé, euh, et supporté l'idée que Quentin pouvait nous embrasser, voilà, donc, euh, je sais pas si on est en froid ou pas, mais euh, c'est un peu chelou. Salut cerise, Quentin, je t'avais pas vu. J'ai besoin de te parler. Tu, tu as le temps là C'est-à-dire que on a cours dans deux minutes. Mais ce qui s'est passé samedi, il faut bien qu'on en discute. Plus tard, d'accord J'ai pas envie d'être en retard. J'ai fini de s'en demander mon reste. Mais surtout qu'il s'est rien passé du tout, genre il s'est rien passé. On l'a pas embrassé. faut se calmer. Bon, je ne suis pas en retard, certains élèves ne sont même pas encore assis. Nat est seule à sa table. Je ne sais pas si c'est raisonnable de prendre place à ses côtés vu les événements récents, mais tant pis, il faut que je lui parle. Je me suis laissée tomber sur la chaise à côté de la sienne en lui adressant un sourire timide. Un peu de silence, merci. Monsieur Farez a à peine commencé son cours que la plupart des élèves ont recommencé à parler à voix basse, comme c'est souvent le cas en histoire. Je savais que c'était le moment parfait pour une petite discussion. Visiblement, monsieur Farez a abandonné tout espoir de nous faire obéir. Je crois aussi. Il s'est mis à prendre des notes d'un air distrait. Ah, bon, j'imagine que là, ça va aller, ça va être juste l'OM. Tu es en colère après moi, tout va bien, tu essayes de m'éviter. Moi, j'ai envie de lui mettre tout va bien, parce qu'on ne sait pas vraiment embrouillé. Donc moi, je dirais plutôt la B. En colère après moi euh, en même temps, enfin, moi je suis pas d'accord avec la A parce que on n'a rien fait en fait. Donc pourquoi tu serais en colère sur un truc qui n'existe pas et qui n'a jamais euh, eu lieu? Donc, moi j'en envie de dire tout va bien, euh, très bien, oui. Je veux dire entre nous, oh cerise, bien sûr que oui. Je sens comme un froid depuis la soirée, pourtant ce n'est pas à toi que j'en veux. Et je ne suis pas aveugle, j'ai bien vu qu'il était rentré à ta suite dans, dans la salle de classe. Pardon, je trouvais que la phrase était bizarre. On s'est simplement croisé en arrivant, il te tourne autour. On a déjà eu cette discussion. Qu'est-ce que je peux faire pour t'enlever cette idée de la tête Pas grand chose. L'important, c'est que je le sache. Ça me permet de rester vigilant. Ça va, oui J'ai l'impression d'être un une tour qu'il faut garder. Non, on ne fera pas les Sims aujourd'hui, les Sims c'est dimanche. Une tour qu'il faut défendre Bah ben, voyons. Je lui ai pincé le bras pour l'embêter, mais il a immédiatement bloqué ma main avant de m'attirer vers lui. J'ai levé les yeux vers lui et j'ai senti que nous nous comprenions parfaitement à cet instant précis. Pas besoin de s'effrayer à l'idée que quelqu'un puisse surprendre ce moment de complicité. Salut Lilou, comment ça va Nathaniel avait stoppé son geste d'instinct avant de laisser glisser sa main jusqu'à mon genou, là où personne dans la salle ne pouvait la voir. Pour la première fois, j'ai apprécié pleinement le fait de vivre une relation cachée. Ce qui se passait entre nous n'appartenait qu'à nous et j'adorais ça. J'ai dû noter deux ou trois phrases pendant ce cours. Lorsque la sonnerie a retenti avant, euh, nous avons décidé, pardon, de profiter d'une heure de permanence pour nous isoler tous les deux. Je crois que l'attirance qu'on ressent l'un pour l'autre à, pr à prendre un peu trop de place... Quoi Commence, pardon, à prendre un peu trop de place pour en laisser une à la concentration. Désolée, je suis très fatiguée aujourd'hui. Hein. C'est assez excitant de se cacher de, de, de tout un lycée. Bon, il faut que je bois, il faut que je me ressaisisse. Là, je suis fatiguée. Je lis de travers. Ouais il est grave jaloux de Quentin. Oui, oui, oui. <laughs> à juste titre, parce que Quentin, il nous kiffe en vrai. Hein. Ok, on va se balader. Ah Hé hey, Peggy Tu devrais regarder où tu marches. Oh, pardon, c'est vrai, je suis trop distraite. Elle est restée quelques secondes à nous fixer sans rien dire. Bon, euh, si tu permets, on va passer. Mais faites donc hmm. On passe, ouais. Excusez-moi, les enfants, auriez-vous vu Mademoiselle Mélodie elle était en cours avec nous, mais nous avons une heure de permanence là tout de suite. Elle a dû vaquer à ses occupations de déléguée. C'est bizarre, elle a laissé traîner des papiers importants et ce n'est pas vraiment son style. Tiens, quelque chose a dû la perturber. Gna gna, devine quoi Cette connasse de Mélodie qui, euh, dès qu'elle euh, a vu qu'on avait du rhum, un peu de punch ça y est, elle était en PLS la meuf. Du coup, comme c'était qu'un 2 sur 5, je me suis dit que c'était mieux que je lui mette un vent. Bah, encore heureux, nous fais pas le coup de Capucine. Je rappelle que Capucine s'est mise en couple avec un gars et que ces trois connasses critiquent le mec de Capucine et euh, font pression à Capucine pour qu'elle le largue et en fait font euh, du body shaming et euh, font du shaming en fait sur Capucine. Voilà. Et donc elles sont en mode grosse. grosse. Voilà. Ouais. Je les déteste. On te l'a déjà dit, Lee. Trois, y... c'est limite, alors un deux, même pas en rêve. J'ai je jeté un regard à Nat. Allons-nous-en, je ne tiens pas à savoir de quoi elle parle. Je sais de quoi elle parle. C'est d'une puérilité absolue. Ah. Elle note les garçons sur cinq critères. Je ne sais plus lesquels exactement. En gros, si un garçon réunit moins de trois critères, il n'est pas digne de sortir avec des filles comme elle. Charmant, non? C'est très figé. C'est pire que ça. Ce n'est pas la première fois que je vois Ambre empêcher une de ses amies de sortir avec qui bon lui semble. C'est une véritable petite dictature. Ça donne envie de faire partie de leur groupe, dis donc. En tout cas, tu as raison. Mieux vaut nous en aller avant que je m'énerve. Non, mais. Non, mais vraiment, quoi. T'imagines Ah, voilà Capucine. Je ne sais plus sur quel pied danser quand je la vois maintenant. Je me demande toujours comment elle va se comporter. Salut Alors, ça s'est bien passé votre soirée samedi Très bien, oui. Et votre concert C'était chouette. Le frère de Sam est un excellent musicien. Ils sont tous très doués dans la famille de toute façon, super. Capucine m'a adressé un signe de tête cordial avant de passer son chemin. Eh bien, ça a l'air d'aller mieux entre vous. Oui, je crois qu'elle a appris de ses erreurs. Tant mieux. hein Les couloirs se vident, on va peut-être pouvoir être tranquille. Je sais où on pourrait aller. Suis-moi. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est ici que c'est ici qu'on s'est embrassé pour la première fois. Je ne vois pas comment j'aurais pu oublier ça. Nathaniel m'a pris par la main pour m'entraîner vers les rayons déserts. C'était à peu près ici. Mmh. Sans prévenir, je me suis agrippée à son pull pour l'embrasser caliente. Salut Camille. Il a avancé d'un pas et je me suis retrouvée plaquée contre les étagères comme lors de notre premier baiser. C'était comme si mon sang s'était mis à bouillonner dans mes veines. Le souvenir de notre premier baiser mêlé à la situation présente me donnait une détermination nouvelle. J'ai enroulé mes bras autour de son cou pour un baiser encore plus passionné. J'ai senti mes, ses mains serrer ma taille plus fermement et son souffle s'accélérer. Jeunes gens. Je me suis reculée précipitamment, un peu sonnée. Oh my god! C'est un lycée ici, alors faites-moi plaisir, je vois de contenir vos ardeurs. Vous, vous n'êtes pas ici pour badifoler. J'ai dû me mordre les joues pour ne pas rire, la situation est tellement improbable. Excusez-nous. La honte. Excu Excusez-nous, monsieur Farez. On va s'en aller. Je vous conseille d'attendre la sortie des classes pour vous adonner à ce genre d'activité. Très bien. Vous adonnez à ce genre d'activité. J'ai de plus en plus de mal à réprimer mon fou rire. Nous sommes partis en laissant échapper quelques gloussements. Je me sens tellement plus légère ces derniers temps. Avant, je me serais sûrement fait tout un monde de l'intervention de monsieur Farez. Là, je prends ça avec décontraction. Après l'heure des permanences, nous devons aller en cours de sport. Je me demande ce que nous a réservé monsieur Boris aujourd'hui. Euh, purée, je suis toujours en robe de la soirée là. Faudrait que je me change. Allez les enfants on ne traîne pas Allez vous changer au vestiaire Aujourd'hui séance d'acrosport, nous allons tester votre esprit d'équipe. Bon c'est l'occasion de tester quelque chose de nouveau. J'adressais un signe discret de tête à Nat avant d'aller rejoindre les vestiaires côté filles. Coucou Cerise. Salut Violette, bien remise de la soirée Oui oui ça va, ne t'en fais pas En fait, euh, je me suis plutôt amusée finalement, ça m'a fait chaud au cœur de voir tout le monde s'entendre aussi bien. Enfin Sauf à la fin, je ne vois pas de quoi tu parles. Je l'ai regardée interdite. Qu'est-ce que tu veux dire euh... Salut euh, Laurie Carmi, comment tu vas Qu'est-ce que tu veux dire Tu sais bien quand tu as quitté le jeu, c'est que euh, c'est drôle de voir comment est Nathaniel avec toi. Je me suis sentie devenir blanche comme un linge. Qu'est-ce que tu veux dire par là Je ne voulais pas être indiscrète, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer certaines choses. Elle est trop mignonne à avoir peur de me mettre mal à l'aise mais j'ai toujours aussi peur de ce qu'elle va me dire. Nathaniel a toujours été quelqu'un d'assez froid finalement et là pendant la soirée, j'ai vu qu'il te regardait souvent comme s'il voulait ajuster son comportement en fonction du tien comme si je n'ose pas lui demander de finir sa phrase. Tu tu ne me prends pas pour une commère hein. C'est juste que je co... comme je n'aime pas parler beaucoup, j'ai pris l'habitude d'observer les gens. Salut Claire, comment ça va Euh coucou Nancy, comment vas-tu Coucou à tous ceux qui arrivent, comment allez-vous T'inquiète pas, tu as bien le droit. Je voulais juste te dire que je trouvais ça mignon que vous vous soyez rapprochés tous les deux. Hum, C'est vrai qu'on s'entend bien. Soudain, nous avons été interrompus par des éclats de voix venus des vestiaires des garçons. Qu'est-ce que... Je te dis, c'était un accident. Ouais, ouais, un accident prémédité, ça arrive souvent, dis donc. Qu'est-ce qui vous prend, bon sang Ouais, je vais bien, merci. Salut sur Candy. Non, t'as pas beaucoup raté, on vient à peine de commencer, on est au lycée, on s'embrasse avec Nat et là on a cours de sport, en gros. Pas grand chose. Mais d'ailleurs, je vais en profiter. Euh, pour euh, peut-être me changer, on n'a pas une tenue de sport, genre la tenue de sport de la course d'orientation, ou un truc comme ça. Je pense qu'on pourrait mettre ça en vrai vu que euh, bon, on a cours de sport quoi? Ça pourrait être sympa de faire ça. Euh, normalement on avait un pantalon de sport là et on pourrait mettre du coup les chaussettes et les baskets c'était celle-ci je crois. Hein. Alors on va mettre les baskets tout en bas, ça là. Alors, ça, du coup, il va être caché, malheureusement. Ça, ça va être là. Hop. Et hop. Parfait. Là, on est bon. On est en mode tenue de sport pour le sport avec sucrète. Et donc c'est ce chenoux. Euh, il vient de me claquer la porte de son casier dans la figure. Je répète, je ne l'ai pas fait exprès. Le mec est tellement jaloux. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Je suis sûre qu'il l'a fait exprès. Ouais, c'est pour ça que t'as attendu pile le moment où j'ai approché mon visage de la porte. S'il vous plaît, pas la peine d'en faire toute une histoire. J'imagine que Nathaniel a dû s'excuser. On ne doit pas avoir la même définition du mot excuse alors. Je te présente mes excuses, ça te va Quentin a haussé les épaules avant de s'en aller d'un pas rageux. J'ai fait les gros yeux à Nathaniel. S'il vous plaît, les enfants, ne traînez pas, nous sommes déjà en retard sur les horaires. Eh bien, dis donc, Nathaniel vénère pomme de terre. Hein. Le cours d'acrosport s'est déroulé de manière un peu chaotique. Personne n'a l'air très concentré aujourd'hui et petit à petit, la mauvaise volonté a gagné toute la classe. Monsieur Boris avait l'air complètement dépité. Le cours de sport s'est achevé sur la promesse que les choses se passeraient différemment à l'avenir. Personnellement, j'ai pris l'habitude de n'écouter que Monsieur Boris d'une oreille. Ces menaces sont rarement suivies de faits annoncés. Tandis que tout le monde se ruait vers la porte du gymnase, Nat m'a fait signe de le suivre. Ça tombe bien, je crois qu'il me doit quelques explications quant à la petite scène de tout à l'heure. Je viens. Je viens. On discute où, mec Dis-moi tout. OMG. Euh... La plupart des élèves se ruent vers la cantine, peur. Peu de risque d'être dérangés. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé au juste tout à l'heure dans les vestiaires j'ai l'impression que la jalousie m'a un peu fait sortir de mes gonds. Je vous avais dit, il est jaloux. Le mec, ça y est, il, il vrille sur Quentin. Il en peut plus. Il est au bout de sa vie depuis euh, le jeu de la bouteille, c'est mort. Mais enfin, Nat, il s'est rien passé au final. Ça me dit, alors à quoi bon C'est juste qu'il était en train de parler de toi. J'ai eu envie de, de faire quelque chose de stupide. Je ne me suis pas contrôlée. Comment ça, il parlait de moi Il a parlé de ta robe. Sérieusement Mais. Ah, tu es là, cerise Oh putain, mais je veux savoir Je vous dérange peut-être Non, non, on reparlera de ça plus tard. Moi qui croyais avoir fait le tour de la question, j'ai levé les yeux au ciel. Bon, je te l'emprunte alors. Euh, C'est de moi que tu parles Tout à fait. Tu ne rentres pas chez toi de te doucher ce midi On pourrait faire un bout de chemin ensemble, qu'est-ce que t'en penses Vu son regard appuyé, je devine que sa question n'est pas vraiment une question. Oui, j'avais prévu de rentrer, effectivement. On ne devrait pas trop tarder alors si on veut être de retour à l'heure. Cette fois, c'est sûr, Rosa a quelque chose à me dire. Qu'est-ce qui se passe J'ai mis un temps fou à venir te parler. Soit je tombais sur toi et tu étais avec quelqu'un, soit tu étais introuvable. J'ai passé du temps avec Nathaniel. C'est l'amour-passion, on dit donc. Tu rigoles, mais c'est un peu ça. T'arrêtes, oui, mais non, ce n'est pas ça. Bah oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Oula, 70%. Non, mais Rosa, je suis dégoûtée parce qu'elle nous a carrément... Euh, elle nous a carrément coupé la parole. Mais du coup, moi, je vous dis, ça ne me dit rien qui vaille que euh, Monsieur Quentin... Parle de notre robe. Le mec, il est toujours amoureux, je vous jure. Je veux, oui. C'est palpable quand on vous voit tous les deux. La tension sexuelle est au maximum. Ça suffit. On rentre dans le vif du sujet. Ça y est, c'est maintenant. Je crois qu'on pourrait faire cuire un œuf sur mes joues. Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire de faire attention. Je ne sais pas si tu as eu des échos, mais certains commencent à se poser des questions. Oh non, tout ce que je voulais éviter. Attends, t'affoles pas, c'est pas bien méchant non plus ce que j'ai entendu. Mais comme tu t'en doutais, peut-être, votre petit coup d'éclat à la fin du jeu n'est pas passé inaperçu. Le contraire m'aurait étonné, oui. Mais personne n'est venu m'en parler, alors je me suis dit que les gens étaient passés, avaient passé outre. Tu penses, ils ne vont pas venir te poser directement la question. Bah alors, qui a dit quoi? J'ai surpris Violette en train d'en parler avec Mélodie. Mélodie. Enfin, tu connais Violette, ce n'était pas bien méchant. Elle n'a jamais dit que vous pourriez être ensemble, elle faisait juste une remarque en passant. Elle m'en a plus ou moins parlé tout à l'heure aussi. Heureusement qu'elle n'est pas du genre à chercher plus loin. Et Mélodie, elle en a dit quoi Elle n'a pas trop relevé. Bon, on a peut-être réussi à limiter les dégâts finalement. Sûrement oui, mais vous pourrez pas vous cacher éternellement si votre histoire dure, tu le sais, pas vrai. Je n'ai pas dit que je me cacherai toute ma vie non plus. Je ne te dis pas comment gérer ta vie, hein. j'essaye juste d'être un peu pragmatique. Je sais, Rosa. Je ne sais pas si je le montre assez, mais j'écoute tout ce que tu me dis. Je suis consciente d'avoir une amie d'aussi bon conseil. Oh, arrête, je vais rougir si tu continues. Bon, allez, sur ce, je vais prendre une douche avant qu'il ne soit trop tard. Oui, je ferais bien de me dépêcher aussi. À tout à l'heure. Allez, un petit break à la maison avant de reprendre les cours. Bah, on pourra se rechanger, du coup. Je vais voir quand même s'il n'y a pas des gens. Ah, oh, Iris, ça va Oui, très bien, et toi, Cerise Mais... Mef envers Rosa, là, je la sens un peu toxique. Mef J'ai pas compris Ah, parce que vous cachez votre relation Oui. Oui, pour de vrai en plus. Cerise a décidé de cacher sa relation avec Nat pour pas qu'on les emmerde. Ah, méfiance Moi, je me méfie pas du tout de Rosa. Je trouve qu'elle est juste euh, trop, 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 trop impliquée et que c'est dans son caractère. Donc, des fois, elle est hyper relou et hyper chiante, comme Alexis. Mais euh, j'ai aucune. Euh... Je sais pas, je ne la... me sens pas. En insécurité avec elle pour le coup. Je la trouve juste too much par moment, mais c'est son caractère. Oui, très bien. Et toi, Cerise Ça va, oui. C'est le vibreur de son téléphone que j'entends derrière. Tu sais, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux m'en parler. Tu vas me dire ce qui se passe. Toi aussi, tu rentres manger chez toi. Bon, quand on avait fait l'épisode d'hier, on était chez Iris et on avait capté que son téléphone n'arrêtait pas de sonner et qu'elle recevait aussi tout le temps des messages et des mails sur son ordinateur. On ne s'est pas du tout mêlé du truc du début à la fin parce que Iris avait l'air hyper mal à l'aise. Je pense qu'il vaut mieux pas lui en parler parce qu'elle va peut-être pas vouloir vu que hier elle était en mode euh, pas bien du tout et qu'elle essayait de noyer le poisson. Donc je vais faire comme si de rien n'était je pense. Je vais dire toi aussi tu rentres manger chez toi. Oui d'habitude ça ne me dérange pas de me doucher au lycée mais là qu'est-ce que... J'avais envie de profiter du calme de mon appartement. Oui, je comprends. Je te laisse, je file, du coup à plus tard. Elle commence sérieusement à m'intriguer. Mais bon sens, ce ne sont pas mes affaires, il faut que j'arrête. Mmh. Salut Elsa, ça va et toi Du coup, euh, bon, ça a rien changé de particulier, mais euh, voilà. Je suis rentrée chez moi et j'ai pris ma douche complètement perdue dans mes pensées. Je ne dois pas me mêler de la vie d'Iris. Je ne suis pas idiote, je refuse de la croire quand elle dit que tout va bien. Mais il s'agit sûrement d'un problème personnel ou du moins de quelque chose qu'elle ne veut pas aborder avec moi. Je dois apprendre à rester à ma place. Et puis, j'ai déjà de quoi m'occuper l'esprit avec ce qui m'arrive en ce moment. Mon moral est gonflé à bloc, rien qu'à l'idée de revoir Nathaniel cet après-midi. J'ai pourtant vite déchanté en retournant au lycée après déjeuner. Les cours ont plutôt été intenses et nous ont pas laissé une minute de répit. Au final, c'était à peine si on avait pu se parler. En revanche, Ambre a trouvé le temps de me bousculer dans le couloir, très original. J'ai pris le parti de l'ignorer royalement. Je prends ses provocations beaucoup moins à cœur désormais. Ce n'est pas à elle, c'est pas à elle qui m'empêchera de dormir la nuit. Et effectivement, ce ne fut pas Ambre qui m'empêcha de dormir, mais plutôt l'excitation qui agitait mon esprit. Eh ben, je déborde d'énergie même à 2h du matin maintenant, super. Finalement, je n'ai dormi que quelques heures pour me réveiller aux aurores toutes groggy. J'ai envie de choisir soigneusement ma tenue aujourd'hui. J'hésite entre plusieurs styles. Ah Oh J'adore les deux tenues. J'adore les deux tenues. Bon, ne me spoilez pas. J'imagine que Nathaniel... Il aime bien les styles un peu classiques, genre petit petite robette et tout. Moi, je dirais peut-être que c'est celle-là. Mais j'aime beaucoup la première également. La première, elle est très, 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 très belle. En fait, j'aurais mis les bottines avec cette tenue-là et pas les baskets. J'aurais juste pas mis les baskets, mais sinon, j'aime beaucoup le petit sac, le petit t-shirt simple. La jupe, elle est trop jolie. Mais vraiment, on est sous 2010 là. Et, et d'ailleurs, je sais pas si euh, Safi. Si il euh, y a un choix illu ou un choix hyper important. Est-ce que euh, le, le choix de la tenue, c'est vraiment un choix euh, en mode illu ou pas C'est un choix illu? Je préfère la 1. Hum moi je te dis, je sais pas. Bah en vrai, moi je partirais sur la jupe. Je partirais carrément sur la, la jupe, je trouve que ça fait grand-mère. Oh, je suis pas d'accord. Oh je suis pas d'accord du tout. C'est la jupe. OK. Moi j'adore le petit sac de, de la jupe. OK, il faut que je la change là ou là. Je suis plutôt contente de ce petit look. Attends, attends, attends ma chérie là. Ça va pas du tout. Alors, on va enlever ça. Ça évidemment et oh, les boucles d'oreilles et tout. Est-ce que tout est bien mis Je vais juste peut-être remettre du coup la perruque là-haut. Même si j'ai pas été très présente ces derniers temps à cause des horaires de travail. Ça fait toujours plaisir de soutenir la meilleure streameuse. Merci Elsa. Merci. Merci beaucoup pour ton septième mois d'abonnement. C'est très gentil. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre plein de subs dans le chat. C'est adorable. Ça fait extrêmement plaisir. Bon, j'ai pas remis le pansement parce qu'on le voit pas de toute façon. Mais franchement, la tenue lui va super bien avec sa petite tresse et tout. Enfin, moi, euh, j'aime vraiment bien. Par contre, le seul truc chiant, c'est qu'on voit pas trop les boucles d'oreilles. Est-ce que si je fais ça, on les voit un peu mieux Ouais, là, on les voit. On les voit sortir un peu. Parfait. Trop bien. Salut Marie, comment vas-tu euh, Les gargouillis dans mon ventre m'ont ramené très vite à la réalité. Il est temps de prendre mon petit déjeuner. Salut maman. Salut Adrie, comment vas-tu Bonjour ma chérie. Dis donc, tu es mignonne comme un cœur. Merci. Pour qui est-ce que tu te fais belle comme ça Est-ce que j'ai for forcément besoin de me faire belle pour quelqu'un Pourquoi ne serait-ce tout simplement pas pour moi parce que je suis ta mère et que je te connais, je vois bien que quelque chose est en train de changer chez toi. Oh là là Oui, je vais bien, merci beaucoup. Je vais bien. Et ça m'a l'air plutôt positif. Oui, je suis de très bonne humeur en ce moment. Je vois bien. Tiens, ton père a fait du brownie. Je me suis servi une grosse part me régalant d'avance. Je sens que ça va être une bonne journée. C'est l'heure, je ferai mieux de ne pas trop traîner. On oh va bah voyons, hein. On va quand même faire un petit tour, histoire de voir. Euh... Qui est pas. je sais pas. quelqu'un Bon, non. Euh, évidemment, il fallait que j'arrive en même temps qu'elle. Gardons nos distances. Visiblement, la leçon a été totalement inefficace. Ouais, il faut faire quelque chose si on, aime, si on a même plus d'autorité sur elle, c'est la fin. Mais si ça se trouve, il est très gentil. C'est pour ça qu'elle veut pas le quitter. Mais tu le fais exprès ou quoi Gentil Ça ne fait pas partie des critères, Li. Oh ouais, ouais, je sais bien. J'essaie juste de la comprendre. C'est elle qui doit pas comprendre. C'est elle qui doit comprendre, pas l'inverse. Ouais, t'as raison. Bon sang, elles doivent encore parler de capucines. Mais elles sont insupportables. Mais est-ce que vous, vous avez déjà connu des, des filles comme ça, ou des personnes, qui contrôlaient vos relations, ou avec qui vous deviez sortir Genre, euh, personnellement, heureusement, dans ma vie, je n'ai jamais connu ça. Mais euh, je crois que moi, c'est vraiment rédhibitoire. Tu te prends une baffe dans ta gueule. Ah ouais, c'est vrai, Ange. Ça existe vraiment, ce... mais bien sûr que ça existe. Il y en a plein des connasses qui font ça ou des connards même. Mais euh, vraiment, euh, genre, j'espère que les personnes qui ont vécu ça, même si c'est méga dur et tout, vous avez jamais écouté, hein Non, mais Lee, euh, c'est la moins euh, méchante d'entre elles, mais elle veut tellement se faire accéder par euh, son gourou Ambre que ça y est quoi Oui, au lycée ma classe a tout fait pour nous séparer. Ta classe entière. Eh bien, les gamineries, euh, c'est une dinguerie. <laughs> ça rime presque. C'est dingue à quel point elle s'acharne. Il faut que tiens, tiens, voilà la cause du problème. Elle me regarde fixement. Pardon, tu m'as bien entendu C'est toi qui est allé mettre dans le crâne de Capucine qu'elle était bien avec son loser. Ouh, je l'ai la Je ne l'ai convaincue de rien. Elle a choisi toute seule. Oui, c'est exactement ça. Dommage pour vous, hein Je lui ai juste dit qu'elle devait faire ses propres choix. Alors, c'est pas la b, parce que c'est pas vrai. Euh. Mais j'ai quand même envie de dire l'abbé pour la dégager, cette connasse. Sinon, euh, Je vais dire l'assé. Ouais, l'assé. Maintenant, vous m'excuserez. Qu'est-ce qui t'arrive à toi, hein Il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce que c'est Avant, tu prenais la mouche directe. Là, on dirait que rien peut t'énerver. Je me suis contentée de lui sourire avec défiance. Je suis bien contente d'avoir enfin trouvé une attitude qui la déroute à ce point. Je serai toi, je rirai pas trop. Ça ne va pas durer. Et sinon, à part me menacer, vous avez autre chose en réserve. Ça devient ennuyeux. J'ai tourné les talons sur cette dernière provocation. C'était peut-être la phrase de trop, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Ces garçons ont vraiment besoin que quelqu'un les remette à sa place. Sur ce, je vais chercher la compagnie de quelqu'un de plus agréable. Il reste un peu de temps avant que les cours commencent. J'ai bien envie de papoter un peu avec Alex. Bon, on va essayer de, de le trouver. Alexis qui m'a gonflé pendant tout le jeu de la bouteille. Mais vraiment tout le jeu, quoi. Genre, toujours à faire des allusions sur euh, Nat et moi, c'était infernal. Il y a personne là. Allô Oh non. Hmm. Beaucoup n'ont pas été très aimables avec Mélodie dernièrement. Il est temps de rattraper le coup. Je n'ai pas envie de parler avec Mélodie. Je préfère... n'ai pas du tout envie de parler avec Mélodie, mais pas du tout. Tu voulais me voir, cerise Non, du tout. Je veux dire, je cherche Alexis en fait. On se voit plus tard. Allez, dégage, je ne veux pas parler avec toi, mais pas du tout, genre meuf, euh, désolée. Non, 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 Mélodie, je lui donne pas l'heure, je l'aime pas. Elle a un balai dans le fiac, elle est insup. Ah non, 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 c'est mort. C'est mort de chez mort. Ah ouais, ouais. Mélophiac, là, je peux plus me l'avoir. Je, je, je vous jure, je vais l'appeler Mélophiac. Non, mais le nombre de pas qu'on fait pour trouver Alexis, c'est une dinguerie ou pas Mon dieu. Vous voyez ça C'est typiquement le moment où tu perds tes P.A. pour rien. Eh, hey, salut toi Salut Kim, j'ai l'impression de t'avoir croisé depuis une éternité. Ouais, grave. Alors, c'était bien vos petite soirée chez Iris Ça va, c'était pas mal Ça a un peu dérapé vers la fin Oui, on s'est bien amusé. Bah oui, on s'est bien amusé. Ça avait l'air, ouais, j'en ai vu qui paraissait content. La prochaine fois, faites ça quand je suis dispo, mais t'avais dit que tu venais à la base. C'est si, si, mais ça s'est mal goupillé. Tu le sais sûrement pas, mais ma mère a repris ses études. Et comme avec Nat, ça s'est bien passé, elle m'a entraîné dedans. Dans quoi Une soirée d'études. On s'était un peu disputé au moment où je lâchais complètement les cours. Du coup, ça lui faisait plaisir qu'on étudie ensemble. J'ai pas pu dire non. Mais c'est super, fais pas cette tête. C'est très bien que tu passes du temps avec ta mère si vous étiez en froid. Ouais, si on m'avait dit un jour que je préférais passer un samedi soir à bosser plutôt qu'à sortir, je l'aurais pas cru. Putain, moi à son âge, jamais je fais une soirée d'études avec ma mère. Hein. Et même ma mère, jamais elle me fait une soirée d'études. Salut euh, Pauline, comment vas-tu non, non, non. Moi, jamais tu me faisais pas ça un samedi soir comme ça. Hein, soirée d'études. Et en plus avec ton ton parent. Non, mais ciao. Jamais, never ever. Bon, on sait pas où est Alexis, toujours, mais euh, on le cherche, quoi. On est bien. On se balade dans tout le lycée. Je me demande si Alex est déjà arrivé, en fait. Oh my god. Oh my god. Rappelons-le il a parlé de notre robe. Et Quentin Salut. Tu ne saurais pas où est Alex par hasard Pas exactement, mais je l'ai croisé. Je sais qu'il est arrivé en tout cas. Ok, je vais continuer de le chercher alors. Et c'est du côté de la salle d'art plastique j'ai vu traîner dans le coin. Merci. Cerise Oui tu... tu es rayonnante aujourd'hui. Nathaniel, il va se transformer en une bombe Hiroshima. Hein Vous le savez ça Merci, c'est très gentil. Tout le monde a décidé de me regarder différemment, ça doit être mon jour. Aïe, 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 Il me fatigue. Mais il n'est pas méchant, mais moi aussi il me fatigue en vrai. Alex est assis à une table en compagnie de Violette qui gribouille sur une feuille. Ah, et voilà la plus belle. Oh, c'est fini, oui. Je croyais que c'était Rosa la plus belle. Oh, pourquoi elle dit ça Parce que hier, Alex a dit que s'il n'avait pas été homosexuel, il serait, il serait sorti avec Rosa Et Cerise, on ne sait pas d'où ça sort Et on ne sait pas pourquoi A décidé de lui dire Et moi je suis pas ta meilleure amie et, et moi alors La meuf elle a un mec, elle est heureuse avec lui et tout Et elle demande, de faire, elle fait la pique-mille Avec un, son meilleur ami qui est homo Enfin Donc c'est pour ça, et je croyais que c'était Rosa la plus belle Genre la meuf elle a le seum, bah, ferme ta bouche T'es toxique hein, ça c'est la phrase la plus toxique de la terre Rien que ça, c'est la journée des compliments aujourd'hui, donc on va dire là c'est. Ah ouais, développe. C'est juste que d'autres que toi m'ont trouvé jolie, visiblement. Qui ça T'es lourd, Alex. Et toi, t'es pas marrante. C'est vrai que tes vêtements te vont très bien. Merci, Violette. Oh mince Qu'est-ce qui se passe J'ai oublié quelque chose dans mon casier pour le cours d'art plastique. Ça vous dérange de rester surveiller mes affaires T'inquiète, on bouge pas d'ici. Merci, je reviens vite. Elle est sortie de la salle en trottinant. Alors, comment ça va, toi Très bien, mais... Je sais pas trop ce qui se passe en ce moment. Tout le monde a l'air de me trouver changée. Sans blague. Toi aussi, tu me trouves différente Un peu, oui. Mais moi, contrairement aux autres, je sais pourquoi. C'est vrai que je me sens bien. Mais je ne souris pas non plus sans arrêt. Comment ça se fait que tout le monde semble remarquer le changement Parce que tu dégages plus d'assurance et tranquillité. Type rien, c'est ton attitude, ton attitude générale. Je vois. Mais les gens pas forcément, ne vont pas forcément attribuer ça au fait que je puisse avoir un copain. Si. Bah, c'est possible que certains se posent la question, mais ne te prends pas la tête. Ok, ok, tu sais bien comment je suis. La vraie moi ne peut pas disparaître totalement non plus. Heureusement, il m'a ébouriffé les cheveux. Sinon, ça va avec Nathaniel depuis la soirée. J'ai l'impression que c'était un peu tendu quand... Enfin, tu sais. Il a pas très bien pris le gage du bisou, c'est vrai, mais on en a parlé. Je pense que tout va bien maintenant. Ça va renforcer votre couple, une petite crise de jalousie de temps en temps. Et bonjour les réconciliations sur l'oreiller. Vous, vous voyez vous, ça va partir. Est-ce que vous voyez où l'épisode va partir Là, ça va partir en discussion de crac-crac. Fort. Vraiment. Le fameux oreiller. Ouais, ouais, ouais. Je sens qu'on approche doucement. Hein. Bon sang, Alex, qu'est-ce que tu racontes On n'a pas... Oh, même pas un petit peu. J'ai piqué un phare. Il est encore tôt, hein. on a bien le temps de... Ah, c'est parce qu'il joue encore les délégués coincés. Tu devrais peut-être prendre les choses en stop, stop. J'ai pas envie d'entendre tes allusions salaces. Et non, Nathaniel n'est pas du tout coincé. Oh, c'est mignon. Tu défends ton amoureux. Chouette. J'aime les potins quand ça parle d'amour. J'ai fait volte-face catastrophée à l'idée que quelqu'un ait pu surprendre cette conversation. Priya. Oh, euh, on parlait d'un film qu'on a vu il y a pas longtemps, c'est tout. Ouais, c'est crédible, ça. Dis donc. Tout va bien, Alex. Priya est au courant de toute façon. Ah ouais Si vous parlez de la relation secrète de Cerise, oui, je suis au courant. Elle a l'air plus si secrète que ça d'un coup. Priya avait deviné toute seule de toute façon. Quelle clairvoyance, n'est-ce pas Alors, ça en est où cette histoire euh, On aura peut-être le temps d'en parler plus tard. J'ai peur que les autres commencent à arriver. Et effectivement, les élèves n'ont pas tardé à envahir la salle de classe. Je suis restée à côté d'Alex. Les cours d'art plastique sont déjà très plaisants et ça a été encore plus amusant de partager celui-ci avec lui. Nous ne sommes peut-être pas les plus doués, mais Pierrick a le don pour nous faire passer ça au second plan et nous encourager au mieux. L'alchimie est palpable dans votre duo, vous êtes bien trouvés. Vous vous êtes bien trouvés, pardon. C'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, on ne s'entend pas du tout. Oui, Alexis est totalement invivable. Et l'alchimie vous poursuit jusque dans l'humour, c'est beau à voir. Le reste de la matinée a été plutôt calme. C'est l'heure de déjeuner, je vais rejoindre la cantine. Ok. Merci Gary pour le follow de D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'étais toujours en Just chatting et que j'étais pas sur euh, My Candy Love. Donc je vais me mettre tout de suite. J'ai complètement zappé de, de bouger le truc. Rip la discrétion. Mais en vrai, moi, ça me saoule de ouf qu'il euh, euh, qu cache en fait. Ça me saoule, mais vraiment de ouf. Et hey, Rosa Qu'est-ce que tu fais ici Viens, on va manger. J'arrive, je revenais juste au, du gymnase. Alors, tu as fait une petite partie de basket avec le club. Tu as encore demandé une dispense. Tu étais allé demander si les cours, parti, des cours particuliers à Monsieur Boris. Euh, tu as encore demandé une dispense. C'est pas difficile à deviner en même temps. C'était sûr. T'abuses. Bah franchement, si ça lui cause pas de soucis, elle aurait tort de s'en priver. Bon, je vais arrêter de jouer les rabat-joie, mais je ne donne pas cher de sa peau pour la moyenne de fin d'année. Allez, on y va, j'ai faim. Oui allez, j'espère qu'on aura un truc mangeable aujourd'hui. Je sais pas où c'est moi. Oh Oh On a débloqué une pièce Trop bien La cantine grouille de monde. On arrive trop tard, il y a déjà la queue. Trop bien On est dans une nouvelle... C'est trop stylé On est dans une nouvelle décoration, on a le réfectoire carrément. Peut-être mieux avec Ambre. De quoi Bah ouais, pourquoi il ne le crie pas au grand jour Ah, par rapport à la discrétion. Oui, oui, en fait, à la base, c'est ce qu'elle avait dit. C'est qu'elle ne voulait pas vraiment que ça se sache pour pas qu'on les fasse chier. Et pour pas que Ambre, elle mette son grain de sel et qu'elle fasse chier aussi, quoi. Il y a un peu de ça aussi. Ouais, il est grand lycée, ouais. On a trop traîné aussi. Nous avons dû patienter un certain temps avant de voir enfin le bout de la file. Alors que j'allais enfin pouvoir demander le plat qui me faisait envie, je sentis qu'on me bousculait sans ménagement. Les trois pestes se sont incrustés entre moi et mes amis le plus naturellement du monde. Ah Est-ce que c'est un choix qui est important, celui qui vient ou pas du tout Je ne vais rien dire et me contenter de récupérer ma place dans la file. Mathisus, merci Merci pour le septième mois, Mathisus, merci beaucoup. C'est adorable. Donc je ne vais rien dire et me contenter de récupérer ma place dans la file. J'étais là avant, poussez-vous, ça va, je vous dérange pas trop. Euh, j'ai envie de dire la C, en vrai. J'ai envie de dire la B ou la C, mais euh, j'ai envie de dire la C. Non, c'est neutre, ok, la C. Ça va, je vous dérange pas trop. Ouais, tu peux fermer la bouche, s'il te plaît. L'odeur me coupe la faim. C'est très fin, vraiment. T'es sourde ou pas Elle a dit que ça lui coupait la faim. Je me suis résolu à les ignorer et à prendre mon mal en patience. Inutile de risquer de perdre ma place en essayant de les doubler à mon tour. Je me suis hissé sur la pointe des pieds pour voir comment réagissaient Alex et Rosa, mais ils sont occupés à prendre leur plat et n'ont pas l'air d'avoir vu l'altercation. Pas le choix, je vais devoir prendre mon mal en patience. Quelques minutes plus tard, j'ai pu enfin me servir et quitter la queue, mon plateau entre les mains. Je me suis mise à chercher mes amis des yeux. Rosé et Alex se sont assis un peu plus loin en compagnie de Violette et Kim. Je me suis dirigée vers eux d'un pas vif. Soudain, mon pied a heurté quelque chose de dur. Entraînée par mon propre poids et celui de mon plateau, je me suis sentie projetée en avant. Je suis allée m'étaler par terre, le visage dans mon plat, les de pâtes bolognaises. Mon Dieu, c'est un cauchemar. Faites que je sois en train de dormir. Je me suis redressée tant bien que mal. En me nettoyant le visage, le corps tout endolori, mon regard tomba sur Ambre et ses imbéciles d'amis hilar. Pas la peine de chercher d'où venait le croche-pied. J'ai ouvert la bouche dans l'intention de leur hurler dessus, mais mon cri est resté coincé dans ma gorge tandis que de plus en plus de rires résonnaient dans le réfectoire. Sans que je puisse rien contrôler, j'ai senti des larmes de rage couler sur mes joues. La peau. Merci Nancy pour le Prime et le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. C'est adorable. Merci, merci. Sans que je puisse rien contrôler, j'ai senti mes larmes de rage couler sur mes joues. Avec toute la sauce que je dois avoir sur le visage, ça ne doit pas se voir de toute façon. Je me suis senti tellement humiliée. J'ai vu Alex et Rosa tourner la tête en tous sens pour trouver la cause de cette hilarité générale. J'ai tenté de me relever avec mon pied et il a dérapé, je suis retombée sur le genou. Les rires des élèves deviennent assourdissants. J'ai envie de disparaître dans un trou et ne plus jamais revenir ici. Allez, viens, on se casse d'ici. J'ai senti une main se refermer sur mon bras pour m'aider à me relever. Jamais vu autant de bêtises et de méchancetés concentrées en un seul lieu. Mais, mais il faut ramasser tout ça. Je contemple le désastre de mon plateau gisant au sol, de mon assiette renversée et de mon verre d'eau brisé. Je m'en occupe. Tiens, j'ai pris la serviette en papier qu'elle me tendait pour essuyer la sauce que j'avais encore sur le visage. Priya nettoyait le sol avec autant de rapidité que d'efficacité sous les yeux moqueurs des nombreux élèves autour de nous. Allez, viens, je t'emmène manger dehors. Ça te fera du bien. Je me suis laissée entraîner sans rien dire. Rien ne pourrait me faire plus plaisir que de quitter la cantine. Mais au secours! Mais Ambre, mais vraiment, Ambre, c'est la pire meuf que la Terre ait décidé de créer. Heureusement qu'il y a Priya. Vraiment, Priya, c'est la goutte ultime. C'est horrible. Genre, vraiment, là, je suis outrée de ce qu'elle a fait. C'est vraiment. Mais il mais, y, y a vraiment un moment donné. Genre, moi, je suis contre la violence. Mais une bonne baffe dans sa gueule, là. Oh là là, ça va Non, ça ne va pas, non. J'ai haussé les épaules en reniflant. Ça va déjà mieux, oui. Bah, j'ai envie de mettre. J'ai haussé les épaules en reniflant parce qu'elle en pleurade là. Ah, allez, respire. On va marcher un peu. Ça te changera les idées. J'ai suivi Priya sans broncher. Marcher un peu, oui. Voilà. La pauvre. Vraiment, heureusement qu'il y a Priya pour nous aider. Mais euh, vraiment, là, waouh. Wow. Choqué, quoi. On respire déjà mieux loin de cette bande de vautours. J'ai tellement honte, j'ai envie de ne plus jamais remettre les pieds au lycée. Et tu penses pas que t'en fais un peu trop, là Ils sont stupides, demain ils seront déjà passés à autre chose. Peut-être bien. Ouais, c'est pas faux, mais bon, ou pas, hein. Au lycée, euh, les gens sont vraiment des gros connards et ils peuvent te le répéter pendant des, des longs mois, hein. C'est Ambre qui t'a fait un croche-pied, n'est-ce pas Ça ne fait aucun doute. Alors, qu'est-ce qu'on fait Comment ça Qu'est-ce qu'on fait pour te venger, t'as un plan Non. Écoute Priya, je n'ai pas envie de me lancer dans une énième guerre contre Ambre. Ça fait bien trop longtemps que ça dure entre elle et moi, et elle n'arrêtera jamais. Elle me fait de la peine en vrai. Elle, comme ses amis, et je n'ai pas envie de me mettre encore une fois à leur niveau. J'ai d'autres choses en tête en ce moment. Est-ce que il euh, y a un choix illu avec ça ou on fait ce qu'on veut Moi, j'hésite entre la B et la A, parce que la C, c'est pas utile. Euh, en vrai, moi je pense qu'elle arrêtera jamais dans tous les cas. Mais euh, l'abbé aussi, c'est la vérité. Hein. Salut Marie, on en a parlé hier, on a dit qu'on commençait par euh, amour sucré. Bon, je veux dire l'abbé, elle me fait de la peine. Je peux comprendre ton point de vue, même si je ne le partage pas. Personnellement, je n'aime pas laisser croire aux autres qu'ils ont le dessus sur moi. Elle n'a pas le dessus. Moi aussi, je pourrais très bien lui faire un croche-pied dans les escaliers, même s'il le fallait. Sauf que je choisis de ne pas le faire et j'estime que ça fait de moi quelqu'un de moins idiot. En vrai, je ne sais pas vous dans le chat, mais moi je partage totalement l'avis de Cerise. Il euh, y a des fois où il faut euh, réagir et pas se laisser faire tout ça. Mais si en fait tu réponds constamment à de la violence par la violence, tu étais encore plus con que l'autre finalement. Mais en même temps. Là, elle se fait littéralement harceler par Ambre depuis le début. Euh, faut faire quand même quelque chose. Et pour le coup, euh, elle, Priya, elle lui a déjà coupé les cheveux. Priya, elle a déjà eu des réactions vis-à-vis d'elle. Euh, Ou euh, bah, elle lui a fait comprendre que, tu vois, Cerise aussi, elle avait déjà un peu réagi de temps en temps. Mais. Au bout d'un moment, enfin euh, là, à part aller en parler à un adulte et la poucave et euh, faire en sorte qu'elle se fasse exclure du lycée ou j'en sais rien, bah voilà quoi. Je sais pas. Mais pour moi, euh, je suis un peu d'accord avec euh, Cerise. Salut euh, KitKat Oui, c'est ça, l'escalade de la violence, exactement. Sur le moment, tu as des envies de vengeance, mais avec le recul, tu dis que c'est mieux de ne pas te rabaisser. C'est ça, mais en même temps, tu te dis, si je ne fais rien, elle va continuer. Donc moi, en vrai, j'irai faire la poucave. Genre, j'en parlerai à mes parents, ou j'en parlerai à des profs, ou je sais pas. Mais ça ne sert à rien d'aller euh, la violenter, quoi. Et de faire la même chose qu'elle, parce que tu es aussi con qu'elle, finalement. Comme tu veux. Mais je continue à penser qu'elle mériterait une bonne cor. Ok, ok, allons marcher encore un peu. Je sais pas, j'ai pas lu euh, le dialogue de Cerise, j'avoue. À quoi bon aller voir un prof, ce risque n'a pas de preuves Bah, il n'y a pas besoin d'avoir de preuves, il y a des témoins. Il y a des témoins, il y a Priya, il y a Alex, il y a Nat qui est délégué. il y a euh, euh, Rosa, il y a plein de gens qui le savent. Hein. Comment tu te sens maintenant Beaucoup mieux, c'est vrai que marcher et discuter un peu, ça remet les idées en place. Tu as faim Il est encore temps de manger un petit truc au café. Ça me tente bien, oui. Pria, c'est un peu la Blair Waldorf de cerise. Elle est pas riche comme Blair. Elle est... Non, je ne suis pas d'accord. Je sais pas dans quoi tu trouves que c'est Blair Waldorf, mais je trouve qu'elles sont totalement différentes. Parce que Blair Waldorf, elle a un peu un côté peste, mais qu'on qu on adore, tu vois. Pria, elle est pas du tout peste. Elle est pas richissime. Euh, merci Momoka pour le follow, bienvenue. Euh, Qu'est-ce qu'on doit faire On doit retourner au lycée, c'est ça ah non, on va manger dehors, apparemment. Je sais pas. Oui, c'est vrai que Blair a toujours soutenu Serena, tout à fait. Nous nous sommes assises à une petite table en terrasse. Nous avons pu passer commande rapidement. J'ai mordu à pleines dents dans mon sandwich sous le regard bienveillant de Priya. Ça va être requinqué. J'ai hoché la tête plus étendue. Mais je ne peux pas m'empêcher de repenser à ma chute de tout à l'heure. C'est idiot, mais j'aurais aimé que Nathaniel soit là pour me soutenir. D'ailleurs, je ne l'ai pas vu au réfectoire. À quoi tu penses je me demandais juste où pouvait être Nathaniel quand tout le monde était au réfectoire. C'est vrai que je ne l'ai pas vu non plus. Il avait, sans doute, il avait sans doute décidé de manger plus tard. Alors, comment ça se passe, vous deux Oh, très bien, je, je me suis sentie rougir. Même si je l'apprécie beaucoup plus maintenant, je ne peux pas dire que je sois très proche de Priya non plus. Je me sens pas très à l'aise. Détends-toi un peu, tu veux Je ne suis pas là pour te juger ou collecter des ragots. Si j'avais voulu te parler de ta relation à tout le monde, ça serait fait depuis longtemps, tu ne crois pas « Non, mais je te fais confiance. Écoute, je suis heureuse, vraiment. Nathaniel est vraiment quelqu'un d'attentionné. Je n'en reviens toujours pas qu'il soit attiré par moi pour tout te dire. Arrête ton numéro à t'entendre, on croirait que tu étais vouée à finir vieille fille. »« C'est pas ce que j'ai dit, mais c'est juste un garçon comme lui, quoi. » Je me suis interrompue au milieu de ma phrase. « Je ne veux pas avoir encore l'air de me dévaloriser, mais bon sang, c'est quand même le genre de garçon sur lequel on fait souvent que fantasmer. » C'est tellement ironique, les plus belles filles sont souvent celles qui ne savent pas qu'elles le sont, et je ne parle pas que du physique. Euh, C'est un compliment, évidemment. Elle m'a fait un clin d'œil. Alors, merci. Et toi, de ton côté, toujours pas d'amoureux en vue Je sais pertinemment que ma question est maladroite, mais je ne tiens pas à parler de moi pendant tout le repas. Pas vraiment, non. Tu, tu penses toujours à ton copain de Tokyo c'est du passé maintenant, ça a été difficile, mais maintenant je me suis fait une raison. La plupart des chemins ne sont faits que pour se croiser. Et du reste, j'avais déjà vécu ça avant Tokyo, alors. Alors, décidément, tu es rodé au chagrin d'amour, tu as une vie amoureuse très compliquée, tu n'as pas eu de chance. Ben, les trois sont pas ouf du tout, quoi. Genre, t'es rodée au chagrin d'amour, c'est horrible. T'as une vie amoureuse très compliquée, de quoi je me mêle T'as pas de chance, mais pour qui tu te prends J'aime aucune des trois euh, réflexions. Pour moi, la moins pire, euh, c'est la B. Pour moi, la moins pire, c'est la B. Euh, ouais, ouais, on va dire la B, mais euh, les trois, euh, franchement. Euh, ça se fait pas, genre. Bah, t'as une vie amoureuse compliquée. Si on veut, et pourtant, tout était si simple entre Liv et moi. Liv. Olivia, la fille avec qui je suis sortie lorsque nous habituons à San Francisco. Oh Salut Libellule, ça va et toi J'essaye de contrôler l'expression de mon visage, je ne voudrais pas que ma surprise la blesse. Pas de stress, cerise. Oui, j'aime autant les filles que les garçons. Je vous avais dit hier qu'elle était bisexuelle, je vous l'avais dit, je le sentais. Euh, salut euh, Mine, comment ça va J'aime autant les filles que les garçons, ça te surprend tant que ça Maintenant que tu le dis, non, pas tellement, mais je sais pas. Là, tout de suite, je ne m'y attendais pas. Elle en kiffe sur cerise. Non, je pense pas. Je pense que le sexe ou le genre n'a aucune importance. Tu peux aimer une personne pour son caractère, ses attitudes ou même son physique. Mais que la personne soit une fille ou un garçon ne m'empêchera pas d'être attirée par elle. Je vois, je peux comprendre ça, même si je ne me suis jamais senti attirée par une fille. Je n'ai jamais vu les choses sous cet angle, ça va me, ça va me donner à réfléchir. Je pense que je peux dire la A. Je vois, je peux comprendre ça, même si je ne suis jamais sentie attirée par une fille. Un jour, peut-être, qui sait Bah. Elle me drague ou. C'est quoi, là MDR Honnêtement, ce sont les rencontres que j'ai faites qui ont, qui ont été déterminantes pour moi. Et Liv, dont je te parlais tout à l'heure, m'a vraiment ouvert l'esprit à ce sujet. Et si tu ajoutes ça à le cadre. Ça. Ah ça, le cadre de San Francisco, pardon, je crois que je n'aurais pas pu passer à côté du fait de me poser certaines questions. J'aimerais voyager comme toi, ça me ferait tellement mûrir moi aussi. Oh, tu sais, ma famille et moi avons une vie très particulière, avons une vie très particulière à choisir, je ne suis pas sûre qu'un seul d'entre nous aurait voulu. Enfin, si mon père ne nous avait pas imposé ça. Tu veux dire que tu en veux à ton père Non non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Écoute, la situation est compliquée, je pense que c'est ni le lieu ni l'heure pour en parler. Bah elle est bisexuelle, elle aime les filles et les garçons quoi, elle s'en fout. Elle est attirée, euh, même je pense que ça se dit pansexuelle, je sais pas, mais elle est attirée par euh, la personne quoi. La personnalité. Euh, très bien comme tu veux. Décidément d'abord Iris, maintenant Priya. j'ai l'impression de ne plus connaître les gens que je côtoie tous les jours. Néanmoins, notre déjeuner s'est terminé dans la bonne humeur. Mon sandwich et ma boisson m'ont coûté 3 gold. Nous avons réglé l'addition et je me suis levée de ma chaise un peu réticente. Allez, va, ça va bien se passer. Je suis sûre que tout le monde avait déjà oublié. J'aimerais être aussi sûre que toi, en tout cas. Merci Priya. Tu m'as secourue tout à l'heure et je t'en suis reconnaissante. Vraiment, t'es une chouette fille. Arrête, tu vas me faire rougir. Peut-être qu'elle aime bien Cerise, en vrai. Hein. Je sais pas, mais. Je sais pas. En arrivant devant le lycée, j'ai inspiré un grand coup. J'ai pas le sentiment non plus. Euh, oui, Pauline, si tu veux poser ta question, tu peux. Bon, il n'y a pas foule. Avec un peu de chance, tu vas pouvoir esquiver les gens les plus lourds, bien à l'abri de nos salles de classe. Peut-être, oui. Je vais voir. Non, mais le réfectoire, quoi. Vraiment, Ambre, quand même, elle mérite d'être punie pour ce qu'elle a fait. Hein. Je suis désolée. Genre, la laisser sans conséquence, ça me gonfle au plus haut point. Mais vraiment. Ouais, Priya, elle me fait grave des clins d'œil. Hein. Lorsque je suis arrivée en cours, j'ai remarqué que certains élèves me jetaient des regards narquois. Je les ai royalement ignorés j'ai cherché Nathaniel des yeux. Priya m'est pas, passée devant et est allée s'asseoir à côté de lui. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique À la fin du cours, ils se sont éclipsés tous les deux. Bon sang, Priya manigance quelque chose, c'est obligé. Heureusement que j'ai dépassé la phase de jalousie que j'ai traversée à son arrivée ici. Il était dans mon sac pourtant, j'en suis sûre. Panique pas, il est peut-être tombé. Quelqu'un l'a sûrement ramené au bureau des délégués. Je commence à me dire que les gens n'ont pas assez de gentillesse pour penser aux autres. Mais qu'est-ce que tu racontes C'est qu'un portable. Ok, c'est chiant de l'avoir perdu, mais au moins, on va demander s'il n'est pas au salle, à la salle des délégués avant de crier au loup. Tu as raison, j'y vais tout de suite. Son portable, hein mmh. je, je ne t'en mêle pas, Cerise, surtout ne t'en mêle pas. Mais après tout, je peux bien l'aider en cherchant son téléphone. Et si je la retrouve, rien ne m'oblige à regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, je vais juste aider Iris, tout simplement. Mouais la directrice a l'air pressée, je ferais mieux de la laisser passer. Ou peut-être ce fichu portable. Qu'est-ce que tu fais, petite fouine Cassiel Est-ce que je te demande pourquoi tu rôdes dans les parages, moi Je ne fouine pas, j'aide Iris à retrouver son portable. Je veux dire là, est-ce que je te demande pourquoi tu rôdes dans les parages toi Oh non, ça a baissé. Euh. Pas la peine d'être désagréable, c'était juste histoire de faire la conversation. Ah merde, il s'est senti agressé. Pas ouf. Euh... Vous pouvez être fière de vous. J'ai rarement vu de tels progrès en une année, mademoiselle. Merci, monsieur. Décidément, qui est sur la route du succès. C'est bien. Je ne sais pas où on pourrait trouver euh, de portable, mais ok. Oui, la directrice Je dois absolument lui parler. C'est à moi que vous... Hors de question que je sois en charge de la séance. Ce n'est pas mon métier. Mais qu'est-ce que... Elle est partie en vociférant. Qu'est-ce qu'elle a, elle je vois aucun euh, téléphone. Je suis censé le trouver par terre ou quelque part Je suis censé le ramasser ou pas Ou juste je dois me balader Je sais pas. Là, il euh, n'y a rien du tout. Elle a l'air bizarre, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire encore, celle-là T'as pas eu assez de, beau... as de boulot dans la figure, pose-toi, je passe. Connasse. sale merde. Chouin. Je t'ai vu tout à l'heure au réfectoire. Bon sang. Je crois que tout le lycée m'a vu en fait. J'imagine que ça a bien dû te faire rire toi aussi. Et, je veux dire là, ah, tout le lycée m'a vu. Ah, ça a augmenté un peu, sûrement. Ça m'a un peu rappelé quand, quand tu es venu m'aider l'autre jour. J'aurais dû t'aider aussi, je suis désolée. Tu sais, je ne t'ai pas aidée en espérant quelque chose en retour. Ouais, mais n'empêche, si je peux payer ma dette, je le ferai. J'ai secoué la tête. Si elle s'est mis dans le crâne, je ne peux pas. Si elle s'est mis ça dans le crâne, je ne peux pas y faire grand chose. Mais personnellement, je n'attends rien de sa part. Je vois pas de téléphone, non hein? Oh, Tata Regarde ce que je t'ai préparé, ma chérie. Qu'est-ce que. Je sais que tu adores ça. Régale-toi elle m'a donné un plat de spaghetti en vêtement, pardon. Comment ça, plat de spaghetti en vêtement Où ça J'ai un vêtement plat de spaghetti. C'est quoi C'est un objet C'est quoi Plat de spaghetti Elle est sous ma gueule, elle. De respect de la tata elle m'a donné une assiette de spaghettis qui se renverse sur ma gueule et eh ben pour la blague je vais la garder non mais pour la blague je vous jure je garde je la garde là je, je reste avec elle est incroyable non mais le plat de spaghettis sur ma grosse gueule quoi au cas où on voudrait se promener avec un plat de spaghettis sur la tête non mais c'est un incroyable et merveilleux chapeau je ah ouais incroyable Vas-y, vas-y, je vais, je vais garder le plat de spaghetti, mais qu'est-ce que c'est que ça Le manque de respect, quoi. Elle aurait pu, je sais pas, me donner un mouchoir, à la limite. Ou des nouveaux cheveux. Ça aurait été cool, des nouveaux cheveux. Moi, j'aimerais bien, là, il n'y a pas d'événement en ce moment sur euh, Amour Sucré pour avoir des nouveaux cheveux et tout. Ah, j'ai fait... J'ai plus de musique. Euh... Oh non. Il n'y a plus de musique. Je suis obligée d'actualiser. Ok, c'est bon. Son humour nous régale. Ah, Seri, ça va Ah, oh bah oui, avec euh, ma gueule de spaghettis sur la tête, ouais, ça va, ouais. J'ai vu que tout le monde riait à la cantine, mais j'ai mis du temps à savoir ce qu'il se passait. J'étais trop petite pour voir au-dessus des têtes. Elle est vraiment trop mignonne parfois. Ne t'inquiète pas, Priya m'a tiré de là. Oui, ça, j'ai vu que vous étiez parties toutes les deux. Mais qu'est-ce qui s'est passé T'as glissé Autant lui dire la vérité. Je lis même pas le reste, je vais lui dire la vérité, ça sert à rien. Ambre m'a fait un croche-pied. Mais quelle petite! Sa voix fluette s'est éteinte au milieu de ce que je devinais être un juron. Ne t'en fais pas, elle est juste stupide. Je suis au-dessus de ça. C'est une grosse connasse, oui. Euh, faut toujours qu'on trouve son téléphone. Du coup, ouais, le téléphone, les gars, il est posé dans un endroit du lycée. Il faut que je le chope ou il faut juste que je me promène Ou je dois le voir euh, quelque part Parce que là, euh... je sais pas où il est. Je pas de téléphone. Salut petite du 68. Mais non, me spoilez pas. Mais me dites pas où c'est. Bah du coup, je sais où il est. Me spoilez pas, me dites pas où c'est. Je veux chercher toute seule. S'il vous plaît, euh, spoilez pas. C'est pas marrant sinon. C'est sûrement le portable d'Iris. Je me suis juré de ne pas regarder ce qu'il y avait dedans. Mais il faut bien que je vérifie si c'est le sien. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que euh, le choix, il est grave euh, compliqué, là, Safi Petit coup d'œil. Non, non, je vais me contenter de lui apporter le téléphone. Je sais pas. Moi j'ai envie de regarder dedans, mais je pense qu'elle le prendrait très 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 mal. Je fais comme je veux. On dit quoi le chat On regarde ou on regarde pas Ça se fait pas de regarder. Non mais en vrai ça se fait pas du tout. Hein. Non, je vais pas regarder. Je suis passée par là tout à l'heure. Peut-être que je l'ai laissée quelque part. C'est la voix d'Iris. Elle nous aurait cramé. Paniquée à l'idée qu'elle me prenne pour une fouineuse, j'ai eu le réflexe le plus idiot du monde. J'ai plongé sous une table au fond de la salle pour me cacher. Mais elle est conne. Mais elle est trop conne. Hein. Mais pourquoi Mais c'est la pire réaction que tu peux avoir. T'étais dans la salle d'art plastique, t'as entendu qu'elle cherchait son téléphone, tu t'es dit « Vas-y, je vais l'aider », et tu lui donnes. Pourquoi Pourquoi créer des problèmes là où il n'y en a pas pourquoi, euh, pourquoi se mettre dans la merde Déjà qu'on a une assiette de pâtes sur la gueule, c'est pas suffisant Non mais c'est vrai, quand tu réfléchis là, c est, c est, c est, ça sert à quoi de faire ça Non mais franchement, écoute, je sais pas quoi te dire, moi c'est un bon téléphone, il y a des chances que tu le revois jamais mais j'en ai besoin j'en ai absolument besoin je ne savais pas aussi accro à la technologie bah non mais là accro ou pas à la technologie je perds mon téléphone je perds ma vie entière je sais pas vous personnellement je n'ai jamais perdu mon téléphone je ne l'ai jamais oublié quelque part et je me suis jamais fait voler je prie pour que ça ne m'arrive jamais parce que littéralement accro ou pas accro tu me dégages mon téléphone je perds mon téléphone je deviens folle mais folle, folle, folle. Genre... Et c'est une preuve que tu accro à ton téléphone finalement. Mais jamais... Je fais ça. Jamais de la vie. Après on s'étonne qu'on se soit pas respecté. Mais de fou. Elle est mesquine, Cerise, sur ce coup. Mais moi je crois que c'est pas bien ce qu'elle fait. Grave, hein. C'est lui qui dit ça Bah... Il confirme le truc quoi. Cerise, elle est pas finie là. Non mais euh, franchement, Cerise, elle a fait n'importe quoi pour moi. Ah mais vraiment, je pourrais pas. Sincèrement, je, ouais, je pourrais pas perdre mon téléphone. Genre, je serais pas en mode, ouais, vas-y, c'est pas grave. Non, 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 Il y a pas, c'est pas grave. Il y a ma vie dans mon téléphone. Hein. J'ai vu Iris enfouir son, enfuir son visage dans ses mains et de quitter les lieux d'un pas précipité. Qu'est-ce que j'ai dit Il a levé les bras en signe d'incompréhension. Maintenant que j'y pense, c'est pas la première fois que je vois Iris agir ainsi parce qu'elle n'avait pas son téléphone à portée de main. Mais n'importe qui aurait réagi comme ça en fait. Ah, je croyais que tu voulais pas dire ça, pardon. Je connais pas euh, cette expression. Fino, genre pas très intello. Ah, je croyais fine en mode la finesse, pardon. Surtout les photos. Euh, moi, c'est tout, tout, tout. Mes comptes, euh, tout. Toute ma vie. Je me souviens encore de la fois où elle, avait failli, elle a failli nous surprendre d'un en train de nous embrasser devant le lycée. Elle voulait à tout prix rentrer dans l'établissement pour récupérer son portable qu'elle avait oublié. Songeuse, je suis sortie de ma cachette. Cerise, tu étais là tout ce temps Je t'avais même pas vu. Oups, j'avais presque oublié Carmine était encore sur les lieux, lui, lui pardon. Euh, oui, oui, je peux être discrète parfois. C'est ton téléphone qui vibre comme ça, on peut pas le louper, dis donc. Euh, non, c'est, euh, je pense que, je pense avoir trouvé le téléphone d'Iris. Après tout, il ne servirait à rien de mentir, je n'ai rien fait de mal. Bah, tu t'es cachée sous une table, idiote. Évidemment que c'est mal. Enfin, je sais pas, la meuf, est... enfin, je sais pas, je suis la seule à trouver que c'est pas normal ce qu'elle vient de faire. Maintenant, oui, mais en 2013, c'était très différent. Bah, en 2013, je perdais mon téléphone, je devenais complètement folle aussi, hein. Ange Pétunia, pour le coup. Alors, certes, t'avais pas autant d'applications et autant d'accès perso et privé sur ton téléphone, mais honnêtement, tu me volais, perdais, slash, oubliais mon téléphone quelque part, mais je devenais folle aussi, hein. Genre, impossible. Bah ouais, c'est un comportement trop chelou, genre, pourquoi tu fais ça, meuf Non, on te mêle pas des histoires des autres et tout. Et au final, elle fait quoi, frère Merci Barbara pour ton follow, bienvenue. Euh, les gars, je vous mets en pause 30 secondes, j'ai pipi. En fait, je ne fais que boire de l'eau, ces temps-ci, il fait trop chaud et tout, et je dois m'hydrater par rapport à mes cordes vocales. Il faut que j'aille faire pipi. Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Désolée, je suis hors sujet, mais je cherche les règles de ton challenge construction. Challenge Coucou, fur fur Merci beaucoup pour le quatrième mois d'abonnement. Merci pour le sub. Si tu veux les règles de mon challenge, tu fais le point d'exclamation challenge dans le chat tout simplement et tu as le lien du Google Doc. Sinon, il est en épingle sur mon Discord dans la catégorie construction des Sims ou alors dans Let's Play également. Merci beaucoup. Je vais faire pipi du coup deux secondes. Je vous mets en scène de pause. J'arrive tout de suite. Non non, déjà tu m'as gonflé. En aller-retour, comme ça, dans ta gueule, avec tes nus. Et non, classique, c'est pas la peine. Hello le choix Mais qu'est-ce que c'était que ça <laughs> du pain de mie aussi. Je suis de retour. Alors, euh, bonne nuit à ceux qui vont manger. Oh, sérieux, c'est dommage. Tu viens de la louper. Tu l'avais pas vue. Elle était là. Elle m'en parlait juste. Euh... Salut, Florial. Comment vas-tu? Eh bien, elle doit en avoir des amis pour recevoir autant de messages. Ah, ouais, ça fait que vibrer. J'ai bien envie de regarder qui lui parle. Armin, non Qu'est-ce que ça peut faire J'ai jeté un coup d'œil nerveux à l'écran verrouillé du téléphone qui ne cessait de s'allumer au rythme des vibrations. Allez, donne-moi ça. Non Donne, je te dis. Il m'a pincé les côtes pour pouvoir prendre le portable. Je te préviens, je ne cautionne pas. Il est verrouillé, de toute façon, regarde. On peut quand même lire le début du message. Écoute, fais ce que tu veux, je ne m'en mêlerai pas. Oh Quoi Je croyais que tu ne voulais pas savoir. T'es pénible Plus sérieusement, tu devrais lire ça. Son brusque changement de ton a achevé de me convaincre que quelque chose n'allait pas, tant pis pour mes bonnes résolutions. Sur l'écran verrouillé, on pouvait lire le début du dernier SMS reçu d'un numéro masqué. Je n'en ai pas fini avec toi, reste tranquille et attends mon prochain. Oh, elle se fait harceler. Oh purée. Ah ouais, c'est harcelé, je pense. Je n'en ai pas fini avec toi. J'ai senti un frisson désagréable parcourir mon échine. Je rêve ou ce sont des menaces Disons qu'on peut se tromper, mais il y a peu de chance. C'est pas le genre de phrase qu'on dit à une amie. Peut-être qu'on interprète mal, peut-être qu'il y a un contexte. Il y a peu de chance. Mais enfin, comment est-ce que quelqu'un en... pourrait en vouloir à Iris Cette fille est une crème, elle ne ferait pas de mal à une mouche J'en sais rien, mais ça pue. Tu crois qu'on doit en parler avec elle C'est le téléphone de Iris. Bah, ça me semblerait pas absurde, ouais. Sauf qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Développe. Samedi soir pendant la partie de cache-cache, je me suis cachée dans la chambre d'Iris. Dis donc, c'était pourtant interdit ça, pourtant. Euh, j'ai lu n'importe comment, dis donc, c'était interdit ça, pourtant. Qu'est-ce que tu veux Mon esprit de compétition s'est réveillé. Bref, je me suis cachée dans sa chambre et quand elle m'a trouvé, j'étais près de son ordi qui envoyait sans arrêt plein de notifications et elle a réagi vraiment bizarrement. Comment ça au début, j'ai cru qu'elle allait nous. Euh, me trucider. Et une seconde plus tard, elle avait trouvé sa bonne humeur habituelle. Hum. J'ai peut-être halluciné, mais je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Mais le passé m'a prouvé que mes intuitions étaient plutôt aléatoires, alors. Ok, on va la jouer autrement. Donne-moi une minute. En trois essais, je peux hacker son portable pour savoir ce qu'il en est vraiment. Hacker Tu sais faire ça En vrai, j'ai juste deviné son code. C'est pas si compliqué quand tu connais la personne. Il suffit juste de réfléchir un peu. Le mec. Le geek originel, quoi. Je lui ai jeté un regard dubitatif, ça me paraît bien trop aléatoire pour fonctionner son histoire. Armine s'est mis à fixer l'appareil en pinçant les lèvres. Tout le monde sait qu'Armin ne jure que par les jeux vidéo. Mais ça ne fait que pas de lui un hacker que sache. Fais chier, j'ai raté le premier essai. Qu'est-ce que vous faites? Je la déteste. Mon cœur a bondi dans ma poitrine. En revanche, Armin ne s'est absolument pas laissé démonter. On a retrouvé le portable d'Iris. J'aurais préféré qu'il ait la présence d'esprit de mentir, par contre. « Ah, c'est vrai, elle va être soulagée, elle le cherche partout depuis une heure. Venez, on va lui rapporter. » J'ai lancé un regard lourd de sous-entendu à Armin avant de quitter les lieux. « Bah ouais, bah ouais, bah voilà, bravo. » J'ai laissé Mélodie marcher devant et j'ai attrapé Armin par le bras. « Qu'est-ce qui t'a pris de dire à Mélodie qu'on avait le téléphone On devait regarder ce qu'il y avait dedans. »« Je sais pas, j'ai pas réfléchi, fallait trouver un truc tout de suite. »« Peut-être, mais bon sang, tout, mais pas ça. » Vous savez où on peut trouver Iris, vous Aucune idée, non. Des petits pas précipités ont résonné dans notre dos et je me suis interrompue. Ah, mademoiselle Mélodie, ça tombe bien que je vous croise. Je peux vous aider. Je dois vous parler dans mon bureau. Avez-vous un peu de temps devant vous Oh oui, bien sûr. Elle s'est retournée vers vous, vers nous. Vous pourrez vous débrouiller sans moi Ouais, bien sûr. Chouette, on va pouvoir regarder dans le téléphone, finalement. Mélodie est partie en compagnie de la directrice. C'est bon, tu peux essayer de trouver son code, maintenant. Non, pas ici, t'as bien vu ce qui vient de se passer. Si on se fait encore surprendre, c'est mort. T'as sûrement raison. Cherchons un endroit tranquille. Ben, le CDI, ça peut être pas mal. Le sous-sol, le sous-sol, en vrai. Ah, non. Sauvé par la direlo. grave. Mais, euh... Je sais pas, imaginez, Nat, il nous trouve comme ça. Il va se dire qu'on est chelou, non Y a personne ici Parfait, on va pouvoir regarder tout ça. Il a sorti le téléphone de sa poche. Mon téléphone Et merde. Alors, c'était vous C'était vous depuis tout ce temps Qu'est-ce que tu racontes, Iris On vient juste de trouver ton téléphone. C'est le tien, du coup Oui Elle pleure, Bibiche Elle pleure Iris avant que nous n'ayons pu anticiper quoi que ce soit, Iris a fondu en larmes sous nos yeux. Sans réfléchir, j'ai passé un bras autour de ses épaules. Eh, hey, dis-nous ce qui va pas, on veut t'aider. C'est rien, c'est juste... J'ai de très mauvaises notes en ce moment. Hein En histoire, j'ai eu un 4, dernier contrôle. Elle ment, elle ment, elle ment, elle ment. Tu te mets dans des états pareils pour une note Je risque de redoubler si je ne fais pas attention, je ne veux pas, je ne peux pas redoubler. Allez, calme-toi. Je vais frotter le dos pour tenter de la calmer. On peut peut-être demander à Nathaniel de t'aider. Il l'a fait pour Kim. Justement, on ne va pas lui demander de s'occuper encore de quelqu'un. On va t'aider, nous, Iris. Vous. Mais. Vous êtes sûr Vous avez de bonnes notes euh, Moi, je me débrouille, on va dire. Mais peut-être que quelqu'un comme Priya serait plus. Arrête donc de faire ta modeste, Iris. Tu as de très bonnes notes en histoire et moi aussi, d'ailleurs. Il m'a jeté un coup d'œil appuyé. Qu'est-ce qu'il essaye de faire Ok, alors. Euh, on va te donner des cours. Où ça En salle de permanence non, c'est pas une bonne idée. Le mieux, ce serait un endroit où tu te sens à l'aise, en confiance, tu vois. Mais où ça Chez toi, par exemple Bon sang, je ne sais pas ce qu'il a, qu a derrière la tête, mais je le sens mal, son Je la sens mal, son histoire. Non, mais le mec, en gros, il fait exprès pour se rapprocher à mort d'Iris pour pouvoir farfouiller ou euh, savoir euh, ce qui lui arrive, mais c'est sûr et certain. Vous voulez venir chez moi Mais ce n'est pas trop embêtant pour vous Non, au contraire, on aime bien ton appart, il est cool. Euh. On n'a qu'à se voir ce soir. Plus tôt on t'aidera, mieux ce sera. Euh, oui, sûrement. Ça te va, cerise Bah, faut que je voie. Il m'a pensé discrètement le bras. Ça marche, ok. Ok. Merci, les amis, vous êtes vraiment adorables. Elle a quitté la salle en s'essuyant les joues. Armin a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais je lui ai fait signe de se taire le temps que les pas d'iris s'éloignent. Mais qu'est-ce que tu fabriques Je vais avoir l'air stupide, moi, à lui donner des cours d'histoire. Je suis là d'être la meilleure. T'inquiète, on n'en a pas vraiment besoin. Comment ça elle ment, c'est évident. Moi, je suis sûre qu'elle ment aussi. Hein. C'est pas vraiment l'impression qu'elle m'a donnée. Non, mais sérieux, tu pleurais pour une mauvaise note, toi Sûrement pas, mais Iris. Iris a tout un autre problème que ses mauvaises notes en histoire, et tu le sais aussi. Ok, ok, moi aussi, j'ai de sérieux doutes, mais comme si cette note n'était que la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Un truc dans ce goût-là. Oui. Sois pas nerveuse, à deux, on sera plus fort. Pour faire quoi Qu'est-ce que tu mijotes J'ai fouillé son ordi pendant que tu lui donneras un cours. Tu es sûr de pouvoir faire ça À 100%. Et je compte sur ta créativité légendaire pour l'occuper le temps qu'il faudra. Je ferai de mon mieux. Je ne suis pas très à l'aise là. Me voilà encore embarqué dans une histoire qui ne me concerne pas. Mais mon instinct me dit qu'Iris n'est pas de taille à affronter seule ce qui lui arrive. Non mais c'est sûr qu'elle se fait harceler. Après je trouve que c'est pas vraiment ouf ouf d'aller fouiller dans ses affaires et tout parce qu'elle nous a pas demandé de l'aider. quoi. En fait, tu te demandes dans des cas comme ça ce que tu ferais pour un ami ou une amie qui se fait harceler, qui te l'a jamais dit. Et euh... avec qui tu as ah, un lien, mais. Enfin, je sais pas, genre, t'as pas envie, tu vois, de la laisser comme ça. T'as pas du tout envie, en fait, que la personne, elle se fasse harceler, tout ça. Et euh, tu as envie de l'aider, mais en même temps, elle est pas au courant que tu es au courant d'un truc. Donc, euh, tu te dis, bon, est-ce que la personne, elle va pas mal le prendre au bout d'un moment Enfin, je sais pas comment. Je sais pas comment je ferais ça, en vrai. Je sais pas du tout comment je ferais ça. Comment je pourrais gérer euh, l'histoire Je crois que je me mêlerais aussi au bout d'un moment, mais peut-être pas au point d'aller chez elle et de fouiller dans ses affaires quoi. Bah là, elles sont quand même assez copines, enfin, elles sont peut-être pas les meilleures amies du monde, mais elles sont proches, et elles s'aiment beaucoup. Je pense que dans tous les cas, euh, peut-être que je l'aurais je parlé en mode entre quatre yeux plutôt que d'aller chez elle pour lui euh, pour faire fouiller quoi. Un geek fan de jeux vidéo qui porte un beanie, ça fait très Disney. Bon, ouais, peut-être un peu, ouais. À part lui rappeler, je suis là si tu veux me parler, si t'as un souci, c'est compliqué après. Ouais, je sais pas, je sais pas, c'est délicat, je trouve comme discussion en vrai. Je n'ai jamais été dans ce cas de figure-là. Moi, c'est vrai que je privilégierais énormément la communication d'abord avant d'aller fouiller dans les affaires des gens. Salut Loublanc, ça va et toi j'essaierai de lui en parler ou j'irai voir ses amis plus proches pour leur en parler, pour leur parler de mon présentement, de mon présentement. Ton pressentiment, tu veux dire Ouais, moi je pense que j'irai parler à la personne directement pour essayer de comprendre ce qui lui arrive, ce qu'elle a. Et si vraiment la personne elle veut pas en parler, bah à part ouais lui dire que tu es là pour elle et que tu la soutiens et tout, euh, je sais pas, je sais pas trop, je sais pas. C'est délicat en vrai, c'est pas forcément évident. Harmine au lieu de manigancer ce genre de plan, tu ne crois pas qu'on ferait mieux de lui dire directement qu'on se doute de quelque chose et la pousser à se confier On a bien essayé de le faire à l'instant, elle nous a baratiné avec son histoire de mauvaises notes. Je suis super contente. Mon copain et moi, on s'est marié et comme cadeau de mariage, il m'a offert un tatouage à la fin de ma grossesse, bien sûr. C'est cool, Florian. trop cool. C'est cool, loup blanc. Ouais, je sais pas vraiment. Je sais pas vraiment. On a bien essayé de le faire à l'instant, elle nous a baratiné avec son histoire de mauvaise note. Cherche pas, elle est pas prête à parler. Il faut l'aider autrement. J'ai fini par capituler. Je sais pas si c'est une bonne idée en vrai. Hein. Armin a l'air si sûr de lui. Au moins, c'est rassurant de savoir que je ne vais pas m'occuper de ça toute seule. À la fin de la journée, j'ai décidé d'aller attendre Armin et Iris devant le lycée. J'ai prévenu mes parents que je risquais de rentrer tard. De leur côté, ils passaient la soirée en amoureux au restaurant puis au cinéma. Ils vont sûrement rentrer bien plus tard. Rejune. Bon, on va chez Iris, du coup. Ils ne doivent pas être loin. Ah, vous êtes déjà prêts? Paré, mon capitaine. Salut, CN, bienvenue. J'ai prévenu ma mère et mon frère que vous veniez. Ça risque d'être dur de se montrer discret avec tout ce monde dans l'appartement. Bah, en même temps, euh, meuf, tu vas chez les gens, euh, tu t'attendais à quoi N'importe quoi Vous suivez toujours, c'est par là. Iris nous a guidés jusque chez elle. Il faut dire qu'on avait un peu oublié le chemin. En tout cas, elle a l'air plus étendue que plutôt dans la journée. J'ai l'impression que notre présence à Armin et à moi lui a fait du bien. Et voilà, posez vos affaires. Si on prenait un goûter avant de se mettre au travail. Oh, euh, j'ai jeté un regard à, en coin à Armin. Oui, ok, c'est très gentil. Venez, je vais vous montrer ce que je peux vous proposer. Ok. Euh, cuisine. Alors, qu'est-ce qu'on a Elle s'est mise à fouiller dans les placards. Des cookies et des jus de fruits, ça vous va Il en reste pas mal depuis la soirée. Bah ben alors, il reste même pas un petit peu de punch Bah ben non, c'était juste pour la fête. Je plaisante, détends-toi un peu. Bonjour les enfants, ravi de vous revoir ici. Bonjour Madame. Bonjour. Vous venez aider Iris, n'est-ce pas C'est adorable de votre part. Wep? On est des craques en histoire. Pitié, Armine, n'en fais pas trop. Très bien, très bien. Je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Il y a des bonbons dans le bocal, si vous voulez. Merci, maman. Nous avons rassemblé nos victuailles avant de partir nous installer. Bah, go, hein. Nous avons tout posé sur la table du salon et nous nous sommes assis dans une ambiance plutôt détendue. Nous avons bavardé joyeusement tout en savourant nos cookies. J'en oublierai presque l'état dans lequel était Iris cet après-midi. J'ai quelque chose à faire, vite fait, dans ma chambre. On se retrouve sur le patio pour travailler. Je suis sûre qu'elle va sur son ordinateur, du coup. Comme tu veux. Tu vas faire quoi Je vais donner un coup de coude. Je vais vérifier mes mails. Et tu peux pas regarder ça sur ton téléphone Viens, Armin, on va faire un tour dehors en attendant. Mais j'ai pas envie de prendre l'air. Moi, j'ai envie. Viens. Euh, Iris est partie dans sa chambre tandis qu'Armin et moi, nous levions de table. Non, mais il abuse. Non, mais ça va pas. Sois plus subtil, Armin. Subtil. Hé, hey, je la secoue juste un peu. Elle n'a pas besoin d'être secouée. Pas tant qu'on n'en sait pas plus, en tout cas. Comment tu comptes y prendre d'ailleurs Je sais pas encore, je ferai au feeling. J'espère qu'il sera bon ton feeling avec la mère d'Iris dans la maison. Ça va aller, t'inquiète. Ok, mais pitié, sois discret. Bon, apparemment, Iris n'est pas sortie de sa chambre. On va la chercher. Je vais y aller, reste ici pour l'instant. Ah, est-ce qu'il y a un choix important ici ou pas ah bah merci, la confiance règne. Je te fais confiance, mais inutile d'être deux, je veux pas donner l'impression de l'envahir. Ne fais pas l'enfant, il vaut mieux que ce soit moi qui y aille. Reste tranquille, je te dis. J'ai envie de dire la B ou la C en vrai. J'ai envie de dire la B ou la C, mais est-ce que il euh, y a une incidence Soit O.M. Reste tranquille, frère. Ce que je veux dire, reste tranquille, ta bouche. J'aime bien quand tu fais preuve d'autorité, ça te rend plus mignonne en fait. J'ai levé les yeux au ciel, il est infernal. Armin a accepté de rester tranquillement assis dans le salon et je suis partie chercher Iris. Le mec, quoi. J'ai frappé à la porte de la chambre d'Iris, hésitante. Oui euh, Iris, c'est cerise, tu ne viens pas Si, si, j'arrive, j'en ai plus pour longtemps. Je ferais mieux de laisser tr tranquille, Iris. Qu'est-ce que tu fais ici euh, Pardon, Thomas, j'attendais je... qu'Iris sorte de sa chambre et je me baladais. Je n'aurais pas dû rentrer dans ta chambre comme ça, je suis désolée, je me suis trompée de porte. Je me suis trompée de porte. Tu mens Pardon Tu as tourné les yeux vers la droite quand tu as parlé. Tu as sollicité la partie de ton cerveau dédiée à l'imagination et non à la mémoire. Et si tu le dis... Le gamin, il a 10 ans. Il me parle comme s'il avait Bac plus 12 et qu'il avait 28 ans. Il me fait flipper et en même temps il m'impressionne ce gosse. Euh, si tu le dis, je ne voulais pas te déranger, en tout cas excuse-moi. Inutile de déranger Thomas. Couloir. Alors, elle vient ou pas Elle m'a dit qu'elle arrivait. J'ai hâte d'aller jeter un oeil dans ses mails. Si ça lui prend autant de temps, ça doit être... Tout va comme vous voulez. Où oui, Iris Dans sa chambre, elle doit nous rejoindre bientôt. Très bien, je pars avec Thomas, faire quelques courses. Dites à Iris que je reviens dans une heure ou deux. Je suis vraiment obligée de venir, je pourrais aider Cerise à donner des cours à Iris. Non mais sérieux, le mec de Dipige, il va vouloir donner des cours à Iris. Thomas, je t'aime énormément, mais t'es flippant. Non mais on en parle. Le mec, il est là en mode... Non, non, mais venez, je vais aider les potes de ma sœur qui ont 16 ans à faire des cours. Ah ouais, t'as lu ça ou euh, sa fille c'est vrai Mais en tout cas, euh, il a l'air très 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 intelligent et très cultivé en mode euh, très informé de plein de choses, j'aime bien. Mais c'est un peu effrayant comment il balance des trucs comme ça euh, hyper euh, du tac au tac quoi. Je vais rester il y a Cerise. Il nous aime bien, ouais, je pense. Ça me rappelle que pendant ça... je rappelle que pendant tout ce temps Cerise est chez sa pote avec un plat de spaghetti sur sa tête. Euh, merci Loli pour le follow bienvenue. Non, je pense pas du tout qu'il soit en crush sur euh, personne. Moi, je pense que juste il apprécie c'est tout. Ah ouais, y en a, ils demandent des séances de psy à Céline Fion, mais c'est incroyable. Céline Fion euh, devient psychologue maintenant. Eh ben purée, je savais pas qu'elle avait des capacités euh, de psy. Eh Céline Fion, faudra demander. Bon, de toute façon c'est un bot, elle me répondra pas, mais faudra demander. Euh... À faire rémunéré, hein 10 balles euh, les 5 minutes. Je <laughs> suis vraiment obligée de venir, je pourrais aider Cerise à donner des cours à Iris. Bah voyons, c'est moi qui t que tu vas aider, petit frimeur. Allez, zou Thomas a suivi sa mère en traînant des pieds. Je sais plus, mais je suis pas mal l'univers d'un sucré. Et ça disait qu'il était autiste et surdoué. Hum, mmh, je vois, ouais. Les psychologues soignent les psychopathes. Pardon les psychologues, soient les psychopathes, du coup je suis une psychopathe. Merci Zouk Machine parce que vraiment, euh, j'en pouvais plus en vrai. Waouh, waouh, waouh! Non mais même, c'est trop grave là. Genre. Euh... Merci parce que Illustre, je suis désolée de te le dire comme ça, mais euh, depuis, fin, depuis que t'es là, tu écris des dingueries des fois dans le chat, tu me. <laughs> Genre les psychologues sont les psychopathes. Sachez à tout le monde, à toutes et à tous que vous êtes des gros psychopathes et que je suis psychopathe avec vous parce que je me suis fait suivre par un psy. Voilà, voilà. Oui, t'es une psychopathe, mais ça ne fait, fait pas, la règle. Bah ouais, bien sûr. Ben bah ouais, on est tous des gros psychos. Ça vous va Non, mais j'aime pas ce genre de remarque. Hein. J'aime pas du tout ce genre de remarque. C'est puéril et complètement débile. Armin et moi, nous avons attendu, attendu cinq minutes de plus. Elle se fiche de nous. Ou là, je vais la chercher. Team Psycho. Allez, la Team Psycho, on s'applaudit. Euh, et Ange, je ne suis pas totalement d'accord avec toi non plus, parce que je n'ai pas eu de problème à cause de psychopathes. C'est pas vrai non plus, je suis désolée. On peut aussi aller voir un psy sans avoir de gros problèmes. On peut juste aller voir un psy pour parler à des gens. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas eu de, de psychopathes dans ma vie, et ça va, et je ne vais pas voir un psy pour ça. Hein. Moi, moi je trouve qu'il ne faut pas tout mélanger. Pas du tout. Salut Laïkou, euh, en vrai, bah, ça va faire deux heures qu'on est sur Amour Secret. T'as le récap si tu veux, euh, qui est dispo. Et là, en gros, pour résumer, on est bien dans notre relation avec Nat, mais on est en train de se rendre compte que Iris se fait harceler parce qu'elle reçoit des messages hyper chelous sur son téléphone. Et du coup, avec Armin, on a décidé de l'aider, sauf qu'elle est pas au courant. Je comprends aussi ton point de vue. Ouais, 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 mais après, on peut être d'accord de ne pas être d'accord, hein. Euh, mais euh, pour moi, euh, non, les psychopathes, euh, ça n'a rien à voir. Chacun va voir un psychologue pour des raisons qui sont diverses et variées. Et euh, c'est pas parce que euh, euh, tu t'es pas fait, enfin, euh, t'as pas eu des trucs graves dans ta vie que tu peux pas ne pas aller voir un psy. Je sais pas, non, c'est pas français ma phrase. C'est pas parce qu'il t'est pas arrivé quelque chose de grave dans ta vie que tu dois t'empêcher d'aller voir un psy, tu vois. Genre, euh, tu peux aller voir un psy parce que, euh, bah, bah, comme moi, moi, c'est l'anxiété et le stress. Du coup, euh, pour moi, c'est important d'aller. Euh, euh, faire euh, des séances de psy, mais j'ai pas eu de gros traumas. Et tu peux totalement aussi aller voir un psy euh, pour des raisons qui sont peut-être beaucoup plus fut futiles que d'autres pour certains, tu vois. Salut Marionnette, ça va et toi Perso, les psychologues sont des professionnels qui sont là pour aider une personne à comprendre et à passer outre des traumas. Il est là pour accompagner une personne pour qu'elle s'épanouisse un peu plus. Ouais, voilà, il y a plein de choses. Ça peut être pour des traumas, ça peut être, ça peut être pour un accompagnement sur euh, des choses qu'on a envie de changer, qu'on a envie d'améliorer. Ça peut être sur plein, plein, plein de sujets, en fait. Euh, et il ne faut pas confondre aussi psychologue et psychiatre. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas les mêmes traitements, quoi. Tout le monde devrait voir un psy une fois dans sa vie, ça permet de comprendre plein de choses sur soi. Ah ben moi, je suis totalement partisane de ça. Je pense que tout le monde devrait aller voir un psychologue euh, pour euh, justement euh, se faire du bien au niveau mental, parce qu'ils ont des, des, des outils qui peuvent nous communiquer, qui peuvent nous donner, qui peuvent nous aider justement à bien avancer dans la vie, à accepter certaines choses peut-être, à améliorer certaines choses de notre personnalité finalement, tu vois. Carrément. Tout le monde devrait voir un psy. J'ai compris, t'inquiète. Euh, C'est pas facile de parler à une personne neutre de la famille ou un ami. C'est plus facile. Alors il y en a qui ont pas forcément ce problème-là. Je pense qu'il y a des personnes qui oui ont une facilité d'aller voir une personne neutre. Euh, moi personnellement, j'ai pas de problème de parler avec euh, euh, ma, des membres, certains membres de ma famille de mes problèmes ou de certaines choses euh, ou alors de certaines inquiétudes que j'ai. Mais des fois, aller voir vraiment un professionnel, tu vois, aussi. Moi, je trouve que ça fait du bien parce qu'il ne faut pas garder les choses qui sont douloureuses en soi. Ça peut créer justement des blocages et des problèmes, ouais. Oui, exactement. Ça fait du bien, comme ça fait du bien de pleurer. Ça fait du bien de se défouler. Ça fait du bien de vider son sac. Et je pense que de garder les choses pour soi, longtemps, 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 te crée euh, une frustration au bout d'un moment et peuvent te créer justement des espèces de, de traumatismes ou alors de, de, des. Hum, des choses négatives, en fait, que ce soit physiquement, que ce soit psychologiquement, ça peut te créer des blocages, ça peut te créer énormément de contraintes, en fait, dans la vie. Et je pense que quand, quand on garde ouais, les choses pour soi, surtout quand elles sont mauvaises, tu ne peux pas être en paix avec toi-même dans ton cerveau, en gros. Voilà. Mais du coup, ouais. Donc, euh, en tout cas, sachez que toutes les personnes, évidemment, hein, qui euh, voient un psy, psychiatre, peu importe, vous n'êtes pas fou et vous n'êtes pas des psychopathes. Voilà, tout va bien. Ce genre de réflexion-là, c'est de la grosse merde. Elle se fiche de nous, là. Je vais la chercher. Attends, je viens aussi. Ah, te voilà. C'est pas trop tôt, dis donc. Désolée, je parlais avec un ami. Pas de souci, t'inquiète pas. On s'y met, du coup. Oui, allons nous installer. Je pense que ça dépend des relations que tu as, PNK, et ça dépend aussi de à de... qui tu parles. Je pense. Il y a des personnes qui sont totalement capables d'entendre et qui sont capables de t'aider selon justement les degrés, tu vois, de problèmes. Je pense que de toute façon, il n'y a, hmm, a pas de règles. C'est vraiment. Ça dépend de ton problème, ça dépend de des personnes avec toi, ça dépend de ton entourage, ça dépend de comment t'es accompagné. Euh, Allons-nous installer fermer la discussion, oui. On sera mieux sur le patio. Oui, c'est plus agréable. Alors, par quoi on commence Bah, je ne sais pas trop. Qu'est-ce que t'as pas compris Attends, je te montre. Elle a sorti une éno un énorme classeur plein de feuilles volantes. Ça s'annonce compliqué. Nous avons repris les derniers cours de Monsieur Farez en tentant de démêler les problèmes d'Iris. Mais même ses questions étaient confuses, et j'ai mis du temps à comprendre que c'était en géographie qu'elle avait eu une mauvaise note et pas en histoire. J'ai rien, rien trouvé de mieux à faire pour l'aider que de reprendre nos leçons point par point. Et il faut avouer qu'Armine ne nous aidait pas beaucoup. J'ai envie d'aller aux toilettes, je reviens tout de suite. Vous la sentez, l'histoire Oh non, c'est ça son excuse pour aller fouiller dans l'ordinateur d'Iris J'aimerais bien retourner voir une psy mais la première fois que j'en ai consulté une, sa manière de faire ne me convenait pas vraiment et du coup maintenant j'ai peur de revoir une psy et de retomber sur une psy qui ne me convient même pas. Mais je comprends de fou Sarah. Ça euh, ça met, ça peut mettre énormément de temps comme n'importe quel praticien en fait de trouver quelqu'un qui vraiment te corresponde. Faut pas que tu te bloques et que tu aies peur d'aller voir d'autres psychologues. Dis-toi que c'est un peu comme euh, n'importe quel euh, euh, médecin ou euh, praticien tu peux des fois mettre du temps, c'est comme un gynécologue en fait finalement, tu peux des fois mettre du temps à trouver quelqu'un qui te convienne et c'est totalement normal que euh, tu ne trouves pas chaussures à ton pied tout de suite, hein. ça prend du temps, hein. on ne trouve pas quelqu'un qui soit vraiment euh, qui nous co corresponde et qui nous convienne et tu as totalement euh, raison, je comprends de fou, mais ne te bloque pas, ce serait euh, franchement dommage. Parce qu'à tout moment, tu vois, tu vas retourner voir quelqu'un d'autre et ça va pas te convenir. Et tu vas retourner encore voir quelqu'un d'autre ça va pas te convenir. Et tu vas peut-être voir 4, 5, 6 psys, j'en sais rien, pour au final euh, trouver vraiment le bon psy ou la bonne psy qui va euh, t'aider, quoi. Salut, Raffou, comment ça va Elle ne sera jamais dupe, à moins qu'il puisse agir rapidement. J'y connais rien, moi, je ne sais pas combien de temps ça peut prendre. Il m'a adressé un clin d'œil tandis que je le regardais disparaître de l'intérieur à l'intérieur anxieuse. Oui, je vais bien, merci. Alors, on en était où On fait une pause si tu veux. Non, non, du tout. Pas... Non, mais pardon, je, je suis plus concentrée. Non, non, tout met pas ça. Il faut que je trouve de quoi l'occuper et vite. Alors, ce n'est pas comme ça que tu réussiras à cerner les inégalités sociales des pays de l'Union européenne, tu sais. Ok, on n'a qu'à bouger. Oui, parlons un peu d'autre chose que de géo. Non, non, la A, la A, géographie à fond. Oh, euh, oui, t'as raison. Pourquoi euh... Quoi Tu as. Quoi Qu'est-ce qu'il dit, Rav Je comprends même pas la phrase. Je comprends même pas. Été Quoi Comment ça, il y a une bonne nouvelle, Ange Pétunia Non, non, j'ai pas. J'ai pas regardé. J'ai essayé de la ramener à ses révisions, mais elle n'est décidément pas très concentrée. Et si on allait s'asseoir sur la balançoire au fond du jardin, loin de nos feuilles de cours, tandis quoi Son visage s'est éclairé instantanément. Ah oui, bonne idée mmh. Nous avons pris place sur la balançoire. Quand je suis ici, j'ai l'impression que rien ne peut m'arriver. J'ai vu un sourire se dessiner sur ses lèvres. Mais il a tout de suite cédé à la place à une expression d'anxiété. Iris, qu'est-ce qui se passe Il y a un problème, avoue. Mais non, c'est rien. C'est simplement cette mauvaise note en histoire. En géo. Oui, oui, en géo. Elle s'est mise à se balancer nerveusement. Mais au fait, où est Armin Il en met du temps pour aller aux toilettes. Je, je ne sais pas. Ah, bande annonce, j'ai compris une bonne nouvelle. Non, j'ai pas eu encore le temps de la regarder, je la regarderai ce week-end. Mais j'ai vu que, ouais, il y avait une nouvelle bande annonce qui était sortie. Vous en avez pensé quoi, vous Je vais voir ce qui se passe. Non, non, reste là, repose-toi un peu, je vais aller voir, moi. C'est pas normal, il faut que j'aille voir. Oh, peut-être qu'il est en train de chier euh, dans les toilettes, je sais pas. Euh... Ça va, c'est pas normal, peut-être qu'il chie. Laisse-le. C'est la cata. Ça savais bien que ça finirait comme ça. Empêche de, ah, empêche Iris d'aller voir ce que Armin fait. Il faut que je trouve quelque chose pour la ralentir et vite. T'as entendu ce bruit Non, j'ai rien entendu. Si dans la cuisine, viens voir. Vite, trouver un prétexte, vite. Je sais pas ce que tu essayes de faire, cerise, mais tu es très bizarre. Ça venait de là. Bon, je retourne chercher Armin. Mais tu vas pas taper au shot du mec. Raf. Raf, ça mérite minimum 5 subs, là. Ça mérite euh, 5 subs, un poème, euh, une bouteille, euh, euh, une nouvelle paire de chaussures, euh, une courbette. Je sais pas ce que ça mérite, mais là. Là. Je suis donc une chèvre. Malheureusement, je n'ai pas de chèvre, j'ai qu'une vache. Il devrait prendre 10 jours. Si souris de la chèvre Aïe, 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 aïe. Mais, c'est mignon quand même. Merci, tu, tu me fais plaisir. Une nouvelle limote va naître. Oula Limote de la chèvre. Mais ouais, c'est dans la nouvelle musique de Eminem, aucun goût, et God pas pour chèvre, oh là là Raph, t'as dit Tu as dû te faire mordre par une chèvre Rave, dédommagement en vrai. Dédommagement en vrai, rafou, hein, quand même. Hein bon, je retourne chercher Armin. Bien joué, cerise. Iris se dirige à grands pas vers le couloir. Prise d'une inspiration soudaine, je fais semblant d'éternuer un grand coup. J'espère qu'Armin aura entendu mon signal approximatif. En tout cas, Iris a à peine marqué un temps d'arrêt. Merci, Noah, pour le follow. Bienvenue. MDR sera le aux branches qui est cassé. J'y pep. Ouais, ouais, je rentre bientôt. Tu peux te débrouiller deux secondes sans moi, non On dirait qu'Armin est au téléphone. Ouais, à tout, Alex. Il a raccroché. C'était Alex. On avait cru en comprendre, oui. Ah, t'étais au téléphone Ouais, Alex a toujours tendance à avoir besoin de moi quand je ne suis pas là. Alexis fait des caprices. J'imagine que c'est ça aussi d'avoir un jumeau. Et Iris, alors, on devait l'aider en géo. Il y a un impact ou aux... Osef J'imagine que c'est ça d'avoir un jumeau pas forcément, je suis indépendant, moi. On retourne à nos révisions, du coup Il commence à être tard, rentrez chez vous, vous m'avez déjà bien aidé. Sérieusement, on n'a quasiment rien fait. Ouais, je suis d'accord, ça devrait aller mieux très bientôt pour toi. Ok, c'est sûrement à moi qu'il essaie d'envoyer un message, là. C'est gentil de dire ça, à Armin. Choix élu Ah, je croyais que c'était là. Ok, après. Je n'ai pas insisté, bien trop pressé de savoir ce qu'Armin avait découvert. Iris nous a chaleureusement accompagnés à la porte. Bizarrement, j'ai l'impression qu'on a quand même réussi à lui remettre du baume au cœur. Nous avons quitté l'appartement avec Armin en tâchant de nous contenir. Je pense qu'il est aussi impatient que moi de me raconter ce qu'il a découvert. Euh, salut l'atelier d'Anna, coucou Loïc, comment allez-vous Ah, j'ai l'impression que le truc s'est désactivé. Hop, je le remets au cas où. Je pense qu'il est aussi impatient que moi de me raconter ce qu'il a découvert. Alors il s'est mis à regarder de tous les côtés d'un air suspicieux. Attends, on va s'éloigner un peu, histoire d'être sûr. Mais sûr de quoi Armin, attends. On va où là C'est pas moi. Oups, c'est pas ici qu'on sera tranquille. Tiens, vous partez déjà Ça a été votre séance de travail Oui, très bien. On peut mieux. Arrête d'en faire trop pitié. Excusez-nous, nous sommes un peu pressés. À bientôt. Au revoir, Cerise. Je sais pas où on va. Je pense qu'on peut parler ici. Oui, ça va et toi, Loïc. Tu es sûr devant le lycée Ça va, il n'y a plus personne à cette heure-ci. Bon, du coup, c'est pas joli, joli. C'est-à-dire, crache le morceau. Tu vas me tuer avec tout suspense. Quelqu'un veut du mal à Iris. C'est bien des messages de menaces qu'elle reçoit. Ok, donc là c'est choix illu. Alors. Des menaces, quoi comme menaces. Tu sais ce qui lui envoie ça, mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait euh, C'est compliqué. Ok, c'est compliqué. Moi, je serais tentée de lui dire la A. En fait, les trois sont hyper intéressantes. Pour moi, les trois sont pas mal pour savoir le sujet. J'ai envie de savoir ce qu'elle a, qu a fait, j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle a eu comme menace, et j'ai envie de savoir qui lui envoie. Donc en vrai, je n'arrive pas à... Pour moi, les trois réponses sont bien, quoi. Moi, je dirais la A. Ah ouais, vous auriez dit B Merci pour le lurk, l'atelier d'Anna. C'est la C Ok. Bah, dans tous les cas, les trois sont bien, pour le coup. Ok. Mais pourquoi Qu'est-ce qu'elle a fait j'en Je sais, sais foutrement rien. C'était pas dit dans les messages que j'ai eu le temps de lire. Visiblement, cette personne sait quelque chose sur Iris que tout le monde ignore et elle en profite pour la faire chanter. Mais c'est horrible. Ouais. J'essaie d'en savoir plus, mais Armin n'avait évidemment pas eu le temps de lire tous les mails reçus par Iris. Il va falloir éplucher ces mails. J'ai tombé sur une clé USB. Mais non. Mais il est sérieux. Je me suis pris la tête avec un client et ça m'est retombé dessus. J'ai dû gérer le magasin seul, donc je courais dans tous les sens pendant trois heures, mais tant pis. Ça arrive, les moments chiants au boulot. Courage, repose-toi bien. Mais pas ce soir, on en a bien assez fait pour aujourd'hui, tu crois pas Oui, c'est pas faux. Je te montrerai tout ça quand on aura un moment. Il a tout mis sur clé, mais c'est interdit ça. Mais maintenant, il est temps que je rentre. Ouais, je comprends. Bonne soirée alors, on en reparlera de tout ça. T'inquiète, à demain. À demain. Ah, c'est pas foufou, hein. Il y a de nouveaux articles dans la vitrine de la boutique. J'ai encore le temps de faire un tour avant que ça ferme. J'ai poussé pour trouver. J'ai poussé la porte pour trouver Lee occupé à ranger les rayons. Bonjour Cerise, je suis désolée, mais j'ai bientôt fermé. Ah, oh, je me doute, mais j'ai vu un sac qui me plaît beaucoup en vitrine. Je voulais le regarder de plus près. Ah, je crois savoir de quel sac tu parles. on s'est dirigé vers un présentoir et a mis l'objet dans ma, de ma convoitise sous mes yeux. Oui, c'est bien celui-ci. Je reconnais qu'il est un peu cher, mais c'est de la qualité. Tu verras tout de suite la différence avec le bas de gamme. Ok. Bon, c'est un peu cher pour moi, c'est vrai, mais ce n'est pas souvent que je me fais plaisir. Oh, vas-y, je le prends. Très bien. 26 balles. Hein. J'ai réglé l'île pour. Oui. Non. Fatiguée. C'est gênant. Ils t'ont dit. Bon, en fait, je suis encore loin d'avoir fini l'épisode, je crois, en plus. C'est pas grave. C'est sûr, hein. Sans plus, je commence à avoir faim. <laughs> j'ai réglé le lit puis je l'ai remercié avant de prendre congé. Cette fois-ci, il est vraiment temps de rentrer. Du coup, j'ai euh, un nouveau sac. Oh Non mais il va pas du tout avec la tenue, mais la vérité, il est trop beau. Il va pas du tout avec la tenue ni rien, mais il est trop trop stylé. J'aime vraiment bien. Bon, on va pas le mettre du coup, parce que ça va pas. Mais euh, franchement, très beau. Bon, on rentre à la maison. Je dois avouer que les événements d'aujourd'hui ont un peu terni mon moral, et je sais parfaitement ce dont j'aurais besoin là tout de suite. J'aimerais que Nathaniel soit là. J'ai regardé l'heure. Mes parents ne rentrent pas tout de suite, j'ai encore le temps. Sans réfléchir davantage, je l'ai appelé pour lui demander de venir. J'ai besoin de me sentir en sécurité, et de ne pas être seule. Oh, il vient Il a accepté tout de suite. Génial. Maintenant, je suis nerveuse. Euh, Nathaniel vient, euh, moi, je vous explique, j'enlève le plat de pâtes. C'est bon, il n'y a plus de plat de pâtes, là. Si Nathaniel arrive, <laughs> c'est mort. Enfin, ça ne pourrait pas être pire que la dernière fois, en espérant que mes parents ne rappliquent pas encore. Il arrive quand Nathaniel ne devrait pas tarder. Mais il est où Ah, c'est lui qui arrive là-bas. Nous nous sommes enlacés sans un mot. Ça n'a pas l'air d'aller. Si, si, ça va, je suis juste un peu contrariée. Viens, entre, on en parle à l'intérieur. Nuisette, non, arrêtez Non, arrête, arrête, arrêtez. arrête. Je suis contente de retrouver ma chambre. C'est sûrement l'endroit où je me sens le mieux, loin des autres et de leur mesquinerie. Nat m'a prise par la main et nous nous sommes aussi assis sur son lit, sur mon lit, pardon. Raconte-moi tout. J'ai laissé, laissé échapper à un soupir. Quand je le vois si attentif à ce que je peux ressentir, je me dis que je pourrais être plus à, pla je être plus à plaindre. Disons que j'ai dû faire face à la méchanceté et à la bêtise humaine une fois de trop aujourd'hui. Ça va chauffer. Disons que j'ai dû faire face à la méchanceté et à la bêtise humaine deux fois de trop aujourd'hui. Tu parles de ma soeur entre autres. D'ailleurs, je ne t'ai pas vu ce midi quand quand elle m'a humilié une fois de plus. Effectivement, je suis arrivée tard au réfectoire et je n'ai pas assisté à la scène. En revanche, Priya m'a tout raconté. Ah oui, je vous ai vu partir ensemble après le cours. Il y a un truc avec ce dialogue ou pas Qu'est-ce que vous êtes allé faire Je suis un peu triste que tu ne sois pas venu me parler. Ouais, ça va. Si je n'avais pas appris à connaître Priya, j'aurais été jalouse. Bah, J'ai envie de dire la A. Moi, j'aurais dit la A personnellement, parce que ça, ça voudrait dire déballer l'histoire de Priya et ça regarde personne. La B, euh, c'est nul à chier. Pour moi, c'est la A, quoi. Ok, A. J'ai rien de spécial, rien de spécial, elle voulait juste m'expliquer la situation de façon plus précise. Ok, elle n'a pas essayé de te raser la tête, de, de te faire ras, de faire... Quoi Elle n'a pas essayé de te faire raser la tête de ta sœur mais quoi Hein Mais non, mais même lui, il n'a pas compris la phrase. Non, parce que la dernière fois qu'elle l'a contrarié, elle n'a pas hésité à sortir la paire de ciseaux. Il n'en a pas été question, non. Nathaniel a passé un bras autour de ma taille et j'ai appuyé ma tête sur son épaule. Et puis, il y a eu l'affaire Iris. L'affaire Iris Je lui ai tout raconté depuis le portable perdu jusqu'au rapport d'Armin il y a moins d'une heure. Et vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'une blague Nat, enfin, ce ne serait pas drôle du tout. Et même si cette personne fait ça pour s'amuser, ça ne change rien. Il faut l'empêcher de nuire. Je te reconnais bien, là. Ah tu n'hésites jamais à aider les autres. Moi aussi, tu es venu à mon secours il y a quelque temps. Je n'ai pas envie de reparler de cette période. Peut-être qu'il a besoin de parler de son père. Si c'était à refaire, je n'hésiterais pas une seconde. Merci, Park pour le follow. Bienvenue. J'ai envie de dire la C. En mode... Euh, je pense pas qu'il a envie de parler de son père. Euh, je n'ai pas envie de reparler de cette période. En vrai, la A ou la C, mais je dirais la C, perso. Merci pour les follow, merci MS Lewis pour le follow également, bienvenue. Moi je dirais Lassé. Bonsoir Dean, comment ça va C'est C. ok. C'est si à refaire, je n'hésiterai pas une seconde. Oui, je suis un peu ton prince charmant. Un prince charmant très sexy, wouh L'épisode Bravo, tu as terminé l'épisode J'adore elle est trop trop belle, l'Illu. Venez, on regarde hum, les Illus des autres. Euh, je crois qu'on est. Ouais, c'est l'épisode 34, si je dis pas de conneries. Alors, Nathaniel, je vais vérifier. Hein. Euh, purple, oh, peu importe. Ouais. Ok, donc ça, c'est Nathaniel, celle qu'on a eue. Voyons avec Cassiel. Oh, waouh, elle est incroyable! Celle avec Cassiel, elle est, elle est géniale. Merci, euh, Gauthier Rae. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Merci pour ton follow. Bienvenue. Celle de Cassiel, elle est... Mouah ah ouais, non. Elle est, elle est trop, trop bien, celle de Cassiel. Incroyable. Faites voir celle de Lisandre Oh, elle est mignonne. Il a un peu une drôle de tête, mais elle est mignonne. Armin. Oh, waouh. Alors, le bonnet, il est très, très mal foutu sur, son, sur sa goule, mais... Euh mais elle est, elle est, elle est assez euh, voilà quoi euh, coucou euh, Gauthieray comment ça va je t'ai dit les élus avec Cassiel quand ils sont ensemble elles sont incres. » ah mais elles sont bien ouais ouais et Quentin bah les pipous. » non la meilleure c'est celle de Cassiel en vrai et après celle de Nathaniel elle est très bien genre celle de Cassiel j'avoue qu'elle est incroyable genre le regard de Cassiel et le regard de cerise ils ont bavé que des câlins avec Cassiel ah mais même elle, elle est, elle est pipou. Elle est, elle est pipou. Celle d'Armine, moi, en fait, ce qui me dérange, c'est son bonnet. Genre, elle est grave mimes, mais je trouve que le bonnet, il est bizarre au niveau de, des cheveux. Et même le profil de cerise avec son nez, il est pas un ouf au niveau du dessin. Celle de Quentin, elle est chou aussi, en vrai, elle est mignonne. Euh, et celle de Lisandre, elle est, elle est mimi, mais je sais pas, les boucles et le visage, je sais pas. Elle en a eu beaucoup d'amoureux. Bah ben non, elle en a qu'un. <laughs> Mais euh, ouais, celle de Nat, euh, franchement, elle est très mignonne avec la petite jupe comme ça qui brille et tout, j'adore. Et du coup, prochain épisode, enquête sur le net. Iris est victime d'un mystérieux maître chanteur et tu as décidé de l'aider entre rencontres nocturnes et espionnage informatique. Tu devras avoir le cœur bien accroché. Attention à ne pas te brûler les ailes. J'ai trop kiffé. J'ai trop 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 kiffé cet épisode, mais genre vraiment, c'était hyper bien. Euh, mais par contre, je suis méga euh, triste pour euh, la pauvre Iris, quoi. Vous vous imaginez, elle est en train de se faire assoler par quelqu'un, on ne sait pas qui. Euh, non, je suis désolée. Alors, je sais que j'avais dit qu'on ferait du labyrinthe et tout. Je suis chaos. Je suis chaos. Je vais pas vous mentir, je suis fatiguée. Euh, j'ai envie de me reposer. Pour être très honnête avec vous, euh, j'annule même ma soirée jeu du coup avec les potes et tout. Je suis grave fatiguée. Euh, donc euh, plutôt que de continuer de tirer et tout, je vais aller euh, me reposer un peu. Ouais, je suis désolée. Je suis désolée. Je sais que c'est pas, ça me gratte là. J'en ai marre. Je suis trop désolée. Je ne m'en voulais pas. Je sais, je sais, je vous déçois. Pardon. Mais euh, je suis fatiguée. J'ai voilà, j'ai envie d'aller me reposer. Moi qui voulais te voir flipper. Non, mais vous inquiétez pas. C'est que partie remise. Alors demain, je suis pas là. Euh, je ne suis pas en live demain. Je suis en live euh, dimanche à 19h. Mais euh, je vais voir là, avec les garçons pour reporter cette soirée pour la semaine prochaine. Comme ça, on fait vraiment une soirée euh, horreur et tout. Euh, euh, la semaine prochaine, un hein, soir. Donc, euh, je vais voir. Mais euh, ouais, ouais, ouais je, me, je vais me reposer. Euh, aucun souci de santé. Hein, juste. Euh, je suis fatiguée, quoi. Je suis un peu KO. Euh, voilà, voilà. Euh, je vais vous faire un raid. Je vais vous envoyer chez qui Hum. Mmh. Je vais vous envoyer. Écoutez. Chez, euh, écoutez, je vais vous envoyer chez Aquila, qui est en train de regarder euh, Drag Race France, sur France 3. Hop, où voilà. Je vais vous envoyer là-bas. N'hésitez pas à lui envoyer du love. Merci beaucoup pour cette soirée. Je suis désolée. Bon, on a quand même streamé 2h30. Euh, je vous dis à la base, déjà quand je lance le live et tout, je suis un peu, un peu fatiguée tout ça. Ce pas trop prévu comme ça. Je suis désolée. Euh, mais donc, nous, on va se retrouver euh, dimanche à 19h. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux et de nous rejoindre également sur YouTube parce que vous avez une vidéo Barbie qui arrive demain euh, sur YouTube et une vidéo sans Baby Challenge qui arrive également le dimanche. Et euh, vous pouvez rejoindre aussi le Discord. Des Instagram parce que je suis très active là-bas. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à dimanche, passez un excellent week-end, un bon samedi. Et euh, je vous dis à dimanche 19h les gars. Ciao Oui putain, le loto. Putain, 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 c'est vrai. Attendez, putain, j'ai oublié parce que c'est Mélanie qui l'a fait. Du coup, vu qu'elle est partie, moi j'y étais pas dans la prédiction. Dis-Siri. Dis-Siri. Choisis un nombre entre 1 et 10. Elle le dit pas. Dis Siri. Dis Siri. Choisis un nombre entre 1 et 10. Le résultat est 8. Et c'est le numéro 8. Et c'est le numéro 8 qui gagne. Bien joué. Allez, revenez sur le raid. Ça vous permettra de gagner des points de chaîne, les guys. Voilà, voilà. Ne touchez à rien pour rejoindre le raid. Je vous laisse du coup avec Aquila. Bravo à ceux qui ont. Trouver le fameux numéro 8, les amis. Je vous fais des bisous et je vous dis du coup à dimanche. Ciao, ciao